Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live de qualité en compagnie de votre streamer slash youtubeur préféré, le susnommé Marvin Schrödinger. N'hésitez pas à me follow de part et d'autre d'internet sous ce même pseudonyme. Aujourd'hui, on se retrouve, hein, comme vous savez, comme d'habitude, un stream sur un jeu vidéo. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, 399. Ok. On va se mettre sur le live. Overlay. Vous connaissez la musique maintenant. Hein? On se retrouve toujours sur le même jeu. Est-ce que... Ah oui, bonjour. Ah oui, j'ai changé le volume. Ça a l'air d'aller mieux. Alors, la dernière fois, je sais plus ce qu'on a fait parce que c'était il y a 2 jours, donc j'ai complètement oublié. Je me suis retrouvé ici. Pour quelle raison? Qui me pousse? Une vulgaire poule? Oh putain. T'as de la chance, hein. Si je te tape, je me mets tous les gardes à dos. Bref. Alors, je sais plus quelle quête on faisait. Libérer, réunification... Est marche, d'accord. Fort d'hiver, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Apprenez où se trouve. Alors. Oh putain, c'est vrai, j'avais fait une. Un truc d'hiver. Attends, c'était. Où j'ai aidé trois. Trois personnes d'une ville. Et normalement j'ai un Huskarl. Est-ce que c'est Obétoile ou Mortal? Je sais plus du tout. Ah merde. Putain, j'ai le micro mais en face de ma tronche quoi. Vous aurez pu me le dire quand même, merde. Alors. On va le baisser un peu. Voilà. Ça devrait aller mieux comme ça, non? Alors je sais plus si c'est Mortal ou Obétoile, tout ça. Enfin voilà. On va voir, on va aller à Mortal. Le Jarl, il est où le Jarl? Ah, mais c'est la nuit. Il est en train de dormir, ce con. Donc, on va mettre. Allez, 8. Voilà. Il fait jour, là. Normalement, il est réveillé. Le... Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand l'église... On se branle. Votre sourire carnassier dérangeant. Rien à foutre. C'est lui, non? Enfin, elle? Elle de sagesse et de magie. Je crois comprendre que vous avez des visions. Bah non. Rien à foutre, ta vie. Ah non, ici, j'avais déjà le Huskarl. Je crois que c'était Greg. Grégor. D'ailleurs, je sais pas où il est. Hein. Oh, on s'en fout, c'est quoi? On verra bien. Qu'est-ce qu'on fait? Retourner voir Kraldar, péta. Tuer le dragon qui se trouve au mont Antor. Par là? C'est loin? Est-ce que c'est loin? Oh oui. Ok, c'est ici. Là, il y a une fosse. On va partir de là, de Fort d'Hiver. Comme ça, on ira voir au passage le Jarl, parce que c'est peut-être là que j'ai récupéré, enfin que j'ai eu un Huskarl. Voilà. Mon Dieu, qu'il est laid. Ah! On va en profiter. C'est là. Longère du Jarl. Oui, le Jarl. Avec l'aide de l'Empire, Fort d'Hiver se remettra très rapidement. Oui, on s'en fout. Ouais, il est déjà en train de roupiller le Jarl, bêta. Ça fait 7h du mat, 8h, 9h. Allez.
Eh ben c'est long, bordel, hein. 8 et 9, voilà, très bien. Il est où le Jarl? Le Jarl, non, c'est pas lui le Jarl. Lui... Ah bah c'est Kraldar. Avec l'aide de l'Empire, j'ai... Ah, j'ai aidé, bah voilà. Rapidement. Alors, en mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Fort d'Hiver. Félicitations. Je vous remets cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Eh oui. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. Tu tiens quoi, là? L'âme, d'accord. Retournez, ouais. Et normalement, j'ai un Huskarl. Et c'est lequel? C'est lui, le Huskarl? Que les divins soient avec vous. Je ne suis que l'Huskarl. Si vous avez un besoin particulier, adressez-vous à Kraldar. D'accord. Malure, n'approchez pas de l'académie. Faites en sorte de ne pas avoir d'ennui. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai récupéré quoi comme arme de merde? Oh putain, faut que je dépose des trucs, moi, attends. Arme d'ivoire, c'est quoi cette lame? 45, attends, fais voir, ma masse, elle fait, ouais, ok, ok. Inflige 40 points de dégâts de magie, ok, c'est de la merde. Ah, le Jarl! Bah non, en fait, je veux plus le voir, parce que comme j'ai, hein, enfin, vous m'avez compris. Parce que je crois qu'il fallait que je parle au Jarl pour avoir le nouveau Huskarl. Du coup, on va aller à bord de ciel. Bord de ciel, à Blanche Rive pour déposer des trucs et des machins, parce qu'on en a beaucoup trop sur soi. Bon, bah attends, je peux passer mon épée à comment elle s'appelle? Kari? Rakia? Rania? Raya! Raya, c'est ça. Raya, oh, Raya. Waouh, une cage. Ouh. La technologie, regardez ça, c'est de la 3D. Vous connaissez ça? Alors, Raya. Raya. Oh, et Raya. Tan, que désirez-vous? Oh, si tu savais. Bien sûr, Tan. Que puis-je faire? Alors, qu'est-ce que tu utilises? Ah, tu utilises ça? Ouais, c'est pas mal. Oh, bah t'as ça aussi. Bah attends, je vais te récupérer ça, parce que je vais t'alléger le fion avec ça. Ok, et le bâton. Je vais prendre les os de dragon et les écailles de dragon. Et puis je vais poser mon... Allons-y. Enfin, je te les prends après, hein, parce que si je les prends là, qu'il faut que je me traîne à ma maison, là, il y en a pour 3 heures. Ah, j'aurais trop de choses à porter quand même, attends. Hein? Chut. Monte. Voilà. Allez, viens. Accrouille-toi, bordel de merde. Péta, je peux te semer en rien de temps. Allons-y. Oui. Je suis à votre service. Je sais. Je prends ça, ça, et ça, et ça. Voilà. Allons-y. Oui. Oh, mais j'avais un... Ah non, bah non, c'est le bouclier de verre qui se... Putain, j'ai un max de trucs, là, qui valent un max de pognon. Hein, j'ai une shop. De quoi tu me causes, là? Pourquoi j'ai une shop, là? Chanson de Rormir, putain. Regardez-moi ça, toutes ces petites choses, là. Bon, pouf. Ça, 75, bon, allez, on stocke. Transport, oui, j'ai compris. Augmente votre santé, un point. Oh, attends. J'ai une armure. Bah oui, attends, on va poser ça, bon Dieu. Les bottes. Moi, mes bottines, ouais, allez, dégage. Ouais, ça... 75 et moi c'est à combien? 83. Ok, bah le casque des bonites ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Potion créée, ça dégage. Augmente la santé des 7. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Ensuite, diamant. Ça. Ouais. Oh, j'avais pas vu un spectateur. Bah, bienvenue à toi. Grenat. Les 8. Hop. Ça, je peux pas. Ça, je mets. Ça. Et bonnet raffiné. Os de dragon. Bah, voilà, ça.
Ok, je suis à 288 sur 380, bordel. Qu'est-ce que j'ai qui prend de la place, là? Ah, attends. Ouais, on va mettre ça. Les potions, ouais, bon, j'ai quelques trucs. Oh, allez, on va poser certaines potions que... Sauf les effets de poison permanents. Alors, tout ce qui n'a pas une couleur attirante, comme le rouge, je pose. Ah, attends, c'était quoi? Inflige un de... Oh, on s'en fout. D'invisibilité, j'en ai encore de ça? Oh mon dieu. Allez. Regarde. Bah voilà, ça pesait beaucoup quand même finalement, non? Ça je garde. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète, hein. Vigueur. Eh, non! Non mais attends. Oh, ça m'emmerde. Parce que ça, voilà. Bah voilà, ça fait de la place, bon sang. Mine de rien. Bah voilà, regarde ça, j'étais à 290, j'étais 30. 30, bordel. Tenue, ouais, ça j'ai fait. Les armes, j'ai fait. J'ai un bâton de Tarlouse, là. Ah, j'ai oublié, j'avais pas 14, attends. Bah paf, voilà. Bah c'est bien. 244, c'est bien. Allez, on peut y aller, ma grande. Par contre, hein. Voilà, t'es gentil. Allez. Du coup, on va se retrouver, on va se retourner, on va retourner à l'endroit escompté, fort d'hiver. Et on va aller tuer El Dragoon. On va voir. Ouais, ok. Ouais, blablabla. On va passer par là. Putain, mais quel temps de merde. C'est quoi ça? Corps de chêne. Bah, si je l'ai balancé, c'est que je le connaissais déjà. Ce sort. Oh, je me sens léger. Ah oui, là, il y a plein d'ennemis. Alors, fais voir. Clairvoyance. Hein? Ah putain, ça me sert à quoi si... Ah, c'est là. Il me fait passer par où, ce con? C'est quoi, ça? C'est un ennemi? Ah, vous voilà, espèce d'ivrogne. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Maintenant, payez-moi. Eh? Qui êtes-vous? On s'est saoulé avec Sam Gevel. Ah, oui. Pas. Non, bah, pas vraiment. Infraction dans le temple de Dibella. Ah, bon. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ça, c'est quoi? C'est... J'ai rien compris ce qui s'est passé. Aucun signe. D'accord, et du coup, tu voulais quoi, toi? Sam et vous m'avez envoyé dans un camp de bandits. J'ai obtempéré et j'ai rapporté le stupide chapeau que vous m'aviez demandé. Alors donnez-moi mes 10 000 pièces d'or, comme convenu. Ouais, écoute, j'étais bourré, mec. Je m'en souviens pas. Allons, montrez-vous raisonnable. J'avais un... Il est hors de question que je vous donne... Bon, mais c'est bien parce qu'on est amis. Si vous me donnez, disons, 750 pièces d'or, nous serons quittes.
Voici, je regrette, je n'ai même pas 750. Il est hors de question. S'il y a bien quelque chose que je déteste plus qu'un ivrogne à l'esprit mauvais, c'est un ivrogne qui ne paie pas ses dettes. Ok, tu veux te la jouer comme ça? Bon, bah voilà. Oh, c'était rapide, hein. Ouais. Ouais, mon pote. Mince, en plus, il a rien, ce con. Ouais, il a de la merde. Du coup, j'ai un nouveau niveau, les gamins. Les gamins. Allez, vigueur. À la rigueur. Vigueur. Allez, rigueur. Non? Bon. Hop. Éloquence, éloquence. Charme. Prix 10% moins cher des personnes de l'autre sexe. Ah, c'est pas mal ça. L'intimidation réussit deux fois mieux. Non. Attends, fais voir le premier point, c'est quoi? Prochain niveau, les prix d'achat de vente sont. Oh! Attends, parce qu'on a quoi? On a vol à la tire, ça on le fait jamais. Crochetage, faudrait peut-être l'améliorer à l'occasion, crochetage. Mais je suis déjà pas mal, hein. Furtivité, furtivité, armure légère, archerie. Non, ah non, bah non, moi je veux améliorer ça. Ah, 58, d'accord. Ça c'est quoi déjà? Les attaques puissantes. Avec une arme à deux mains, consomme 25%. Oh, ça c'est bien ça. Broyeuse, les attaques à la hache infligent des dégâts de saignement supplémentaires. Blessure fatale, les attaques à l'espadon ont 10% de chance d'infliger des dégâts critiques. Les attaques à marteau ignorent. Non, je vais prendre ça là. Ça. Position japon, les attaques. Ouais, parce que ça, j'en fais souvent. Paf! Et ben voilà! Ok, bon, bah allez, on va faire notre quête. Je sais que. Oh, il y a un troll, bordel de merde. Oh, il y en a même plein, j'en vois un deuxième plus loin. Allez, monsieur. Allez, on va passer. Hein? Allez, une dernière. Putain, sale pute, tu l'as tué avant moi. On va récupérer au moins les flèches. Alors, peut-être deux fions là-bas. Là. Oui, oh là là. Oh, j'ai peur. Ouais, un petit peu quand même. Tu l'as tué encore? Bon, putain, mais je vais. Oh là là, c'est toi que je vais buter, hein. Laisse-moi les tuer, bordel de merde. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc. Attends, dans. Archer. Archerie. Il y a un truc, c'est qu'on trouve deux fois plus de. Permet de récupérer deux fois plus de flèches sur les cadavres. Permet de déplacer plus rapidement avec. Oh, bah c'est ça que je devrais. Ouais, bref. Avec un arc à la main. 15% de chance de paralyser la cible pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quoi là, ce truc là-haut là? Non, non. Oh. Plus 30% de rapidité à tendre un arc! Flèche déstabilisée. Ouh, bah attends, là, le prochain point sera ça que je vais. Attends d'y voir. Eh. Hein? Oh, encore un. Merde, à côté. Allez, c'est elle qui va le buter. Bah voilà, encore. Tu m'emmerdes, hein. C'est moi qui fais tout le taf, elle, une dernière flèche et pouf. Dans le fion. Il bouge. Il est où? C'est lui. Il est là. Eh ben. Allez, c'est parti. Hein. Des cailloux. Petit coup de flotte. Avant d'y aller. Oh, tu te fermes, oui?
On est où là? Allez. C'est par où qu'on monte? C'est par là? Mais je crois que j'y suis déjà allé. Là, oui, j'y suis déjà allé. Non mais. Il est juste là, regarde. On va aller sur le lieu de bataille. Ah, parce que, attends. Pour savoir, pour bouger un petit peu. Mais oui, mais attends. Mais en plus, je l'ai pris, le mot. Là, le mot, bah oui. Il est où? Ah, bah bonjour, monsieur. Oh, le con. Ah oui, ah, c'était pas mal, ça. Alors, il est où? Tu reviens? Ta fiole? Ta pète? Ah bah voilà, c'est bon, t'as trouvé ton chemin, quand même? Oula, non? Tu repars? Ok. Tu dis ça, tu vous vois un dragon, toi. Ah, il est là. Oui, on est là, hein. Bon, c'est quand tu veux, hein, Cornio. Oh, putain, il est sûrement en train d'attaquer un troll ou un vulgaire PNJ quelconque. Ah, ça me gratte. Ouais. D'accord. Tiens, on va faire avec la hache un petit peu. Ouh. Ah, ça y est, il est mort. Toucher la prime auprès de Malur Celot. Ça, je prends, ça. Je prends en. Du coup... il se désintègre un peu ou... Comment ça se passe? Ah, parce que normalement je dois récupérer une âme. Alors t'es gentil. Oh. Oh. Donne-moi ton âme. Ok. Du coup le mot ici je l'ai récupéré, on est d'accord, hein? Ah oui. Bon bah je sais pas. Pas cool. Comme d'hab. Bon bah on va récupérer. Oui. Je sais pas. Et un bug dans la matrice. Qui sait. La méchante partie de Fort d'hiver fut engloutie dans les flots lors de la du grand ravage de l'an. Ah. Hey, toi. Donne-moi ma prime. Gazura vous est excellent. Excellent. Vous avez rendu un fier service. Exact. Voilà votre récompense. Merci. Combien? 500. Bon, allez, faut que j'aille encore à Blanche Rive parce que pour déposer les os de dragon. Mais avoir tous ces os, je vais peut-être pouvoir crafter une petite. Comment ça s'appelle? Une petite armure en écailles de dragon, tout ça, quoi. Et bien sûr, c'est la nuit, comme d'hab. Oula, ouais, oh ouais, d'accord, bon. Putain, j'ai 130 000 pièces d'or, bah bon Dieu. Je vais essayer d'acheter des petites potions, des petites choses comme ça, qui sont fort sympathiques, qui aident beaucoup dans les quêtes. Ouais. Allez. Coffre. Tat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 . Tatatat. Alors descend. Grenat.
Fais voir. Coffre. Qu'est-ce que j'ai comme... Os de dragon, j'en ai 7. Attends, je l'ai passé. Os de dragon. Et il y a griffe, os et écaille. Ah. 9. Oh mon dieu. Et j'ai quelques trucs. Ouh, des saphirs. Saphirs. Et j'en ai 14 volés. Bah mon dieu. Oh, je suis vraiment un malandrin. Du coup, non, je peux pas faire ça, madame. Ouais. C'est bon. Ah merde. Ah, oh, ça y est, elle me bloque. Ah non. Oui, j'ai beaucoup de place dans mon inventaire. Donc, on va pouvoir continuer. Acheter des potions. Eh ben on va mettre 12. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, t'es gentil. Oh, ça, c'est cadeau, ça. Toi, je suis jamais allé par là. Ouais, j'ai l'air. Ouais, fermez ta gueule. D'accord, c'est une maison de personne quelconque. Oh, j'ai des gaz, bordel de merde, si vous saviez. Oh, c'est moche. Regardez-moi ça. Ça, c'est censé être quoi? Elle est où la rivière, bordel? Allez, tire-toi. Vous pouvez faire apparaître un malinouillet? Ok. Merci. Je suis où? Y a pas un petit... Pourquoi tout est par terre? C'est quoi ce bordel? Oh! Eh, alchimie. Voilà. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Oui, ouais. Excusez-moi. Oh, bah si, t'as de la potion. Regardez donc. Potion. Potion de magie. De santé. Santé. 1, 2, 3, 1. Ou 6. Bah, d'ivoire, moi je te prends les 6. Hein. Et ça, c'est de la merde. Je vais récupérer. Ah, bah non, je voulais récupérer un peu d'argent en te vendant des flèches. Mais bon, toi, t'achètes pas de flèches. Quelqu'un d'aussi résistant que vous n'a pas besoin de remède. Que diriez-vous? Paf! Allez, on va ici. C'est une manque de respect à moi, putain. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Tout est à vendre. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça de la merde. J'appelle ça des trésors. Ça, je prends. Restant entièrement, je prends les deux. Ok, et je vais te vendre, récupérer un peu d'argent en te vendant des carreaux, c'est pas mal les carreaux. Dans le doute, je vais... Ah, mais je les utilise pas, parce que les carreaux, voyez-vous, ça marche avec les arbalètes. Et l'arbalète est très longue à recharger. Voilà. Je sais pas si je mets le son de ma voix comme ça, ou alors comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. 10, bah tiens, je te vends tous. Ça, je garde. Ça, je te les vends. 7, je te les vends. Et puis c'est tout, quoi. Oh, j'ai récupéré un peu d'argent. T'as eu un sourire de merde. Un sourire nier. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, j'ai envie, bien que je connaisse déjà la réponse, d'aller voir les Grises Barbes pour leur demander un nouvel endroit où se trouve un mot de puissance de la langue draconique. Mais je sais où est-ce qu'ils vont m'envoyer et ça me gonfle, parce qu'ils m'envoient toujours au même endroit. Parce que c'est un bug du jeu et que ça m'emmerde. Le haut, en espérant que cette fois-ci,
le vœu Arnière reprenne ses esprits et m'envoie à un nouvel endroit. Arnière, c'est lui ? Non. Arnière. Alors, si c'est Arquevent, ça va me faire chier. Donnez-moi votre carte et je vous montrerai où y trouver l'écho. Oh putain de ta grand-mère. Cette stage free form. Aïe. Non. A majuscule, espace 20. Paf, voilà. Ah putain, il m'emmerde, c'est con. Quoi? Oui. Ah. Ouais, putain, ils font chier ceux-là. Bon, bref. Bah, on va faire une quête, on va faire une petite quête, un petit truc divers, là. Non? Parce que j'ai plein de trucs. Tuer le chef des bandits, tap. Découvrez où se trouve Svidi. Rapportez l'œil de Falmer à Delvin. Aidez Sorin à améliorer l'arbalète. Attends, fais voir. Fais voir un truc. Alors, l'œil de Falmer. 2500. Non, ah ouais, on va lui rendre parce que 2500, ça vaut rien. D'abord, on va aller... Ah, c'est là. C'est où? Hein? C'est où? Ah! Tu es le chef des bandits de... Ok. Darkmuse. Accompli. Pourquoi ça me met ça? Pourquoi ça... Bah écoute, on va quand même y aller. On va quand même faire le truc. On va arriver très proche. On va se faire... Ah! Bah oui, je connais ça. Je les ai déjà éclatés, ces cons. Bonjour. Il y en a un ici, regarde. Il est gentiment en train de faire je ne sais quoi. Ah, loupé. Allez les enfants. Coucou. Allez, viens, approche gamin. Voilà, gamine plutôt, ouais. Petite flèche dans le buffet, on n'en parle plus. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On est là. Les enfants. Merde. Oh si, je l'ai eu. Oh, c'est magnifique ça. Allez, on va se faire remarquer. Alors... Ah, bah voilà. Oh, bah oui. Bah t'as un bon pressentiment, ma grande. Ah, bonjour. Ah non, c'est des... C'est quoi ces gueux, là? Ok, on va passer chose... On va passer aux choses sérieuses, les amis. Laisse Raya tranquille. C'est bon? Espèce de tafiole, va. Potion de soin, je prends. Ruby, je prends. Flèche d'hommeur, flèche d'acier. C'est de la merde. Putain, il s'est pris plein de trucs dans le fion, lui. Allez, on prend la torche. Arc Imperialo. Ok, les autres morts, ils sont où? Ah, il y en a un, là, il y a un dégueulis de... Oula, ça rame un peu, hein. Ah, on gère. Et lui? Oh, bah, c'est celui que j'ai fouillé, lui. Poussière de vampire, ça, c'est de la merde. Ok. Alors, normalement... Elle, je l'ai pas fouillé. Et l'autre là-bas, je l'ai pas fouillé non plus. Bah, il est là. Or.
Ah oui, c'est vrai, là, on doit faire un truc. Et... L'objet ne convient pas à mécanisme. Vous ne possédez pas l'objet qui est... Ah bon, bon bah, écoute, on ne possède pas l'objet. Ah, un coffre. Oui. C'est par où que je dois aller maintenant? C'est pour... ouais, on doit aller dire que c'est bon. Vendôme. Pour toucher la prime. Bah écoute, ces petites choses comme ça, c'est sympa. Et ah oui, 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 oui. Je dois passer dans les magasins de magie. Pour essayer de trouver, comment ça s'appelle, un livre de sorts qui se nomme... J'étais à deux doigts d'attraper le tueur, je le jure. Ah, on a rien à foutre. Un livre de sorts de Lumière du Mage. Tout va bien. Pour pouvoir enfin aller à l'Académie de Fort d'Hiver. Parce que je l'ai pas, ce truc. Bon sang, je sais pas où le trouver. Oh, vous aviez tout rangé. Ah, oh, c'est dommage. Oh. Oh là là. Oui. Je suis sincère. Oui, moi non plus. C'est qui, le Jarl? Ah non, c'est toi que je dois parler. J'espère que les... Excellent. Vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Combien? Tant que vous continuerez à respecter nos lois... Votre présence à Faillaise sera tolérée. J'avais vu une petite potion, moi. Elle est toujours dans les parages, la petite potion. Hein? Vous avez quelque chose à dire, Vermine? Hein? À qui tu parles, là? Non. Attends. J'ai juste envie d'essayer un petit truc, là. Un petit truc qui pourrait être tellement sympa à faire. F5... Ça va. Putain, on peut même plus rigoler hein, dans ces temps immémoriaux. Oui. Avouez que c'était drôle. Elle m'a appelé Vermine en même temps. C'est quoi ce bruit? C'est qui ça? Quoi qu'on vous ait dit sur mon compte, c'est probablement vrai. Bon, on va pas commencer à fouiner ces endroits. Bonjour. Bien que c'est très intéressant de fouiner ce genre d'endroit parce que tu peux avoir des... Ah. Et si on fouinait? Parce que finalement, je connais pas cette châtellerie. Hein. Mais non, il faut que j'aille faire des emplettes. Alors 4, 5, 6, 7, 8... Ah, cadeau, ça, c'est cadeau. Défense de glandouiller. Oh putain. Vous savez que ça me fatigue hein, quand vous dites des choses comme ça. Ah ouais, défense de glandouiller, non mais temple de Talos, d'accord, rien à foutre. Ah, Katoche. La paix à César. Mon travail est assez simple. Ouais, ta gueule. Les morts ne se plaignent pas. On va aller acheter des potions et essayer de trouver le livre de sorts Lumière du Mage. La fiotte blanche. Jetez un œil, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Ouais. Mon maître est parfois... Mes potions et ingrédients vous intéressent? Bien sûr que non, c'est pour ça que je suis là, connard. Allez, on s'en fout de tes trucs de fiotte, là, voilà, c'est ça que je veux. C'est tout? Maman de... Ah, livre. Non, ah, non, on s'en fout des ingrédients. Livre. Bon, très bien. Attends, parce que ça commence à m'énerver et j'aimerais bien faire... Aller à Fort d'Hiver, quoi. Enfin, à l'Académie de Fort d'Hiver. Donc, je vais lancer une petite recherche. Venez.
Venez voir ma sélection. Oh putain, ta gueule. Délicieux. Ustensiles, couteaux et autres instruments ménagers à des prix raisonnables. Mon cher Brunwulf, que c'est bon de te revoir. C'est quoi? Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Comment vous appelez-vous, Brunwulf? Alors, merde, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Parler de notre situation à Ulfric, c'est que vous nous aideriez. Rares sont les Nordiques. Chrome. Cette petite remise. Ah. C'est le moins que je puisse faire. Ah ben. Je ne demande pas de traitement de faveur à Val. Il ne faut parler à Ulfric. Article et outils indispensables. N'hésitez pas par vous-même. Ne nous faisons pas. Alors, Super Solus. Non, on va faire une... Excusez-moi pour le dérangement. Ta gueule, il commence à me saouler là, c'est... j'arrive pas à me concentrer. Hein? Bon, alors. Il y a eu un... J'ai cru qu'il y avait eu un petit freeze, mais bon, non. Alors, comment ça s'appelle? Ah oui. Sort lumière. Tu... trouver sort lumière du mage. Ah, lumière du mage, forum. Une dame m'a dit que... Alors, une dame a dit que je devais lancer le sort lumière du mage pour pouvoir rentrer. J'ai cherché chez de nombreux mages et je n'arrive pas à trouver ce sort. Pouvez-vous m'aider? Je suis un joueur débutant. Eh bien, il faut chercher chez les mages des grandes villes. Courage. Il faut que tu lui demandes de te le vendre. Je lui ai demandé, mais j'ai eu un sort illumination... C'est pour ça que je voulais savoir quelle ville chercher. Pourquoi elle te vendrait un sort qui n'a rien à voir? J'en sais rien. C'est ce qui s'est passé. Illumination est égale lumière du mage? Attends. Parce que illumination, je l'ai. Non, c'est où? C'est là. Fort d'hiver. Attends. Ah. Voilà. Alors, donc, si illumination, c'est dans quoi illumination, altération? Exact. C'est quoi? Fais voir. À quoi ça ressemble? C'est pas de la flamme. Attention à la magie. Ah oui. Et ça va où? Ça me suit? Quoi? Il y a un dragon? Y'a un dragoon! Ah bonjour! Putain, y'en a toujours ici. Et ça m'emmerde! Non mais le sort, tu peux le dégager, tu m'emmerdes en fait. Oh, ici on s'en foutait. Quoi qu'il arrive, l'académie survivra. Attends. Parce que là, il va nous emmerder. Oh mais ça reste longtemps cette merdouille là qui flotte au-dessus de moi. Salaud. Vous êtes tous des salauds. C'est non, il y en a, ils peuvent m'aider, non? Attends. D'ivoire. Attends. Cri. Glace. Lui, quand il balance du feu, on va lui balancer de la glace en pleine poire. Ah, putain, mais attends, dis-moi pas qu'elle va crever, là, Raya, à cause d'une... Hey, aidez-moi les gardes, bordel de merde, c'est chez vous aussi. Aïe. Salaud. Non! Ah, bonjour.
Moi aussi, je sais faire. Ah, ça t'a calmé, hein, couillon, ouais. Putain, c'est qui fait mal, le con. Il est où? Comment ça, il se mêle pas de ça, lui? Voilà. Comment ça, il se mêle pas de ça? Ah oui, à la fin, il se pose toujours là-bas, je sais pas pourquoi. Aïe. Paf! En pleine poire à ce con. Non, j'ai pris des roses bonbons là, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, bah cette fois-ci je vais récupérer l'âme, non? Merci. Alors. Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire pour les gris. On se touche entre Grisbarbe. Alors, elle est toujours vivante celle-là? Bon, je vais te faire ton sort d'illumination ou de... Hein? C'est quoi? Altération, illusion. Apparemment, ce serait ça. Selon les dires d'un forum. C'est bon? Les jours glorieux de fort d'hiver sont peut-être derrière nous. Je n'ai plus rien à vous apprendre. D'accord, qu'est-ce que vous avez à... vendre? Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de... Bah apparemment illumination, c'est pas ça, hein. Parchemin. Ok, livre. Flamme. Ah, y a pas lumière du mage. Y a pas lumière du mage, vieille conne. Très bien. Je comprends plus rien, moi, à cette histoire. T'es quelle lumière du mage, pas non? Bah, elle te demande de lancer un sort de lumière et elle ajoute qu'elle peut te le vendre si tu le connais pas. Elle te vend le sort illusion, à toi de résoudre cette énigme. Lumière, illumination. Mon Dieu, le topic d'assister. Je pense que la question que pose Kyoto Miro... Certes, mal formulé, est de savoir à quel sort lancer pour pouvoir entrer à l'Académie des mages de fort d'hiver. Il s'agit du sort d'altération rayonnement qu'il faut lancer sur le symbole au sol à côté de Faralda. C'est elle, Faralda? Faralda, c'est bien elle. Au début du pont menant à l'Académie. D'accord, donc c'est quoi? D'altération rayonnement. Putain, fallait... altération... rayonnement. Ok. Quoi qu'il arrive, l'Académie se... du très beau travail. Oh putain, fallait le deviner, hein. Sera honoré de votre présence. Bah enfin. Bienvenue. Bah oui, je bienvenue. Vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabelle Ervin, notre maître sorcier. Bah enfin. Suivez-moi, je vous prie. Bah oui, s'il te plaît. Ça fait des lustres, ça fait plus de 100 heures de jeu que j'attends ce moment. Ouais, vas-y, avance. Hâte de faire la belle merde. Les murs de la... Ouais, bah j'en ai rien à foutre, t'avances ou non? Et toi, dégage cette moustique. Ah, qu'est-ce que... Ah, pourquoi pas? Ah oui. Bah enfin. Ouais, grouille-toi. Faralda, là. Quelle blase de merde. Eh bah, et donc. Une belle vue d'ici, hein. Ah putain, après 100 heures de jeu, j'arrive enfin à rentrer là-dedans. Mon Dieu. Bon, allez, on peut pas courir un peu. Allez, avec valise, balance ton molar. Voilà. Moi, j'avance, hein. Je t'attends plus, t'es où d'ailleurs? Ça va?
T'embêtes pas, non? Bon, allez, c'est bon, elle m'a gonflé. Allez. Putain, vas-y, là. Tu viens ou tu viens pas? Faut te suivre. Allez, vas-y, avance, voilà. Quoi? Tu vas où? Tu vas où, Poufias? Quoi qu'il arrive, l'académie... Où fallait-il que j'aille? Vous devez parler à Mirabel Ervin. Ces quartiers se trouvent dans le pavillon de la prestance. Oh. Et elle pourrait se trouver n'importe où dans le bâtiment. Bah, merci. Bah, écoute, on y va, hein. Mirabel Ervin. Ouais, d'accord. Et en termes de quête, c'est quoi? Eh bah, voilà, merde. Les gens. Mirabel. Haha, tu restes dehors. Ah bah, merde. Putain, elle sait ouvrir les portes. J'avais un chat qui savait ouvrir les portes. Ça brûle. Oui, bien sûr. C'est toi, Mirabel? J'essaie juste de comprendre la raison de cette décision. Quelle blase de merde. Et si je... Putain, j'ai envie de faire un truc, là. Aller là-bas, mais bon. Toujours à vouloir faire des conneries. Ah, c'est vrai. Attends. Ingrédients. Dégage. Voilà. C'est pour vous, Mirabel. C'est un présent. Bienvenue à l'académie. On va dire, venir vous voir. Encore de nouveaux élèves. Vous êtes de plus en plus nombreux. Eh oui. Eh oui. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de ces habits. Ah merde. On ne vous demande pas de les porter. Vous les trouverez sans doute plus appropriés que les vôtres. Je vais vous faire rapidement visiter. Puis nous vous amènerons à votre premier cours. On y va ? On y va. J'aimerais beaucoup pouvoir... Hein, bot, robe, novice, capuchon... Oh, des trucs de tafiole, ça. J'aimerais beaucoup pouvoir jeter un œil aux alentours. Je regrette, je me sens pas encore apte à faire ça. Magnifique. Suivez-moi et ne vous éloignez pas. La salle d'hiver est installée en bord de ciel depuis des millénaires. Dis-moi là. La grande salle des éléments est l'endroit le plus important aussi. C'est là... Vous êtes très laid, monsieur. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez, en fait. L'Arcanéum se trouve au-dessus de la salle. Et les quartiers... Mon Dieu, vous portez une de ces toges, elle doit sentir le rance. Techniquement directeur de l'Académie, l'Archimage est souvent pris par ses autres responsabilités. C'est pour cela c'est que très grand. Du fonctionnement de l'Académie. Oui, bla, 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 bla. Non, veuillez me suivre. Oui, s'il te plaît. Montre-moi mes quartiers. Malheureusement, suite à des problèmes avec les gens d'ici, nous avons dû imposer des règles d'adhésion de plus en plus. Oh, et voilà. Nous prévoyons aucune violence, mais ça ne fait jamais de mal de se préparer à tout. T'imagines, tu marches devant quelqu'un et il a toujours la tête comme ça fait flipper, non? Bonjour, madame. Alors, vous faites quoi ce soir, sinon, madame? Hein? Vous voulez pas aller boire un petit verre, une petite bouteille d'hydromel, comme ça, nous deux, tranquillou? Dans un coin, vous savez, regardez, il y a un banc ici. On peut se poser là, bon, il fait un petit peu frais, mais avec l'hydromel, ça va nous réchauffer. Et qui sait, si on a encore un petit peu froid, ben, on pourra se réchauffer autrement. Nous hébergeons nos membres les plus récents ici, au PEF. Au PEF ? Ouais, et après ? Tu boudes, c'est ça ? Allez, rentre, voilà, on est content. Pavillon de l'accomplissement. Je vais vous montrer vos quartiers. Vous allez partager votre espace avec nous. Ta gueule. Faut que je branche mon... J'ai vu, j'ai un nouvel abonné sur YouTube. Ça fait super plaisir. 552 alors que je fais rien du tout. C'est quoi ça? Yeah. Hein? Autre chaîne? Ah bah allez, ok. Bah c'est bien. Écoute. Alors. Voilà, vous logerez ici. On peut prendre ça? Votre lit et votre bureau. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Bien à ne pas déranger les... Non, t'inquiète. Maintenant, retournons dans la grande salle des... Ouais.
Je regarde juste un petit peu ce qu'il y a. C'est quoi ça? C'est de la merde. Armoire cherchée, ça je prends. Et ici, là. Vêtements raffinés. Là, celui-là, j'ai pas regardé. Putain, c'est une sacrée chambre que vous m'offrez là. Ok, du coup, on va où maintenant, Mzel? Tiens, laisse la place, Raya. Voilà. Oh, il y a les reflets de... J'avais jamais vu ça. Par contre, si on marche comme ça longtemps, ça va être très chiant. Vous allez d'abord suivre les cours de Tolfdir, l'un de nos magiciens les plus respectés. Ok. Heureusement que c'est joli, hein, parce que sinon on se ferait chier. Non mais même dans la vraie vie, tu marches pas aussi lentement, merde. Allez, à ton avis, je peux la doubler. Tolfdir a déjà commencé à s'adresser aux nouveaux apprentis. Allez-y et si vous avez le moindre problème, faites-le savoir à l'un de nos supérieurs. Ok. Bah pétain. Major, c'est bien ici. Merde, attends, hop. Bienvenue, bienvenue. Nous venons tout juste de commencer. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Bien, reprenons. Avant toute chose, il faut comprendre que la magie est par nature instable et dangereuse. Ah bon ? Si vous ne savez pas la contrôler, elle vous détruira. Monsieur, nous en sommes tous conscients. Nous ne serions pas ici si nous ne savions pas contrôler la magie. Ah mais tiens, c'est une fille. Bonjour, ma chère. Vous possédez mon Dieu. Tous un talent inné, oui. Loin de moi l'idée de le remettre en question. Tu t'emmerdes pas trop, Raya ? Véritable contrôle, de maîtrise de la magie. Mettre ici. Cela nécessite des années, voire des décennies d'entraînement et d'études. Bon, qu'est-ce que nous attendons ? Allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est exactement ce dont je veux parler. Si l'ardeur n'est pas tempérée par la prudence, c'est une invitation au désastre. Oh oui. Nous venons juste d'arriver. Vous ne savez pas ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne pas nous donner une chance de montrer ce que nous savons faire? Bah vas-y, fais-le! Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Que devrions-nous faire, à votre avis? Ah, moi, je suis la sagesse de la voix de la sagesse. Je ne sais pas vraiment que penser. Ah bon. Je crois qu'on devrait apprendre quelque chose d'utile. La sécurité devrait être plus importante que tout le reste. Les autres élèves ne semblent pas être du même avis. Nous pouvons réussir. Laissez-nous une chance. Alors, du calme. Je suppose que nous pourrions passer à la pratique. Pour rester sur le thème de la sécurité, nous allons commencer par les barrières. Il s'agit de sorts de protection permettant de bloquer la magie. Je vais vous apprendre l'une de ces barrières, et nous verrons si vous êtes capable de l'utiliser correctement. D'accord ? D'accord. Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration ? Bien sûr. Connaissez-vous les sorts de barrière ? Il me semble que oui. J'ai un sort de protection, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Oui, et je sais déjà m'en servir. C'est justement l'objet de cette leçon. Vous allez avoir l'occasion de l'essayer. Oh. Bien. Mettez-vous en place là-bas. Je vais vous lancer un sort que vous bloquerez avec la barrière. Allons-y. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. C'est là. Maintenant, lancez le sort de barrière. Hein ? C'est dans quoi ? Parce que j'utilise jamais ces trucs, moi. Familier de feu, destruction, non, c'est force. Altération, détection de la rémission, illusion, barrière, guérison, pouvoir. Merde, non. J'en ai pas, en fait. Merde ! Ah, mais j'en ai pas ! C'est écrit déferlement, désarmement, protection des morts, familier de feu, flamme, bestiale, furie, furie élémentale, illumination, impulsion, intimidation, marque mortelle. Ah, et ben voilà, moindre barrière. Hein. Je vais voir, on va la mettre en favori dans le doute. Maintenez-le. Vous devez maintenir
la barrière ou cela ne servira à rien. Je ne voudrais pas vous blesser. Bah, c'est ce que je faisais. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Ne bougez pas. Excellent travail. Excellent. Bien, je dirais que c'est un très bon début. Hein ? Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières. C'est qui ça ? Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses applications de la magie à travers l'histoire. L'Académie a entrepris des fouilles fascinantes dans les ruines de Sartal, à proximité. Ah oui, les ruines de Sartal. Ce serait très instructif pour vous. Je vous propose de nous retrouver là-bas dans quelques heures, et nous irons voir ce qu'elles renferment. Ok. Ce sera tout pour le moment. Merci. Et commencer sous Sartal. Oui, d'ailleurs, j'ai une autre quête. Retrouver Toldir à l'extérieur de Sartal. J'ai une autre quête. On va prendre ça. Où je dois trouver des trucs. Voilà. Ça. Sauf que j'avais pas la clé pour y rentrer. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai beaucoup de sujets de préoccupation. Vous savez, c'est l'un des rares endroits où vous pouvez recevoir un enseignement correct de la magie. Ah ben. C'est une clé. Ok. Je suis dans l'obligeance de faire une pause pipi. Je vous dis à tout de suite. Allez, salut. Alors, où en étions-nous, bande de Khmar ? Alors, et voir. Voilà, là, je suis... Ouais, c'est bon, ça va, je suis bien centré. Par contre, ma coupe, oui, quand je prends une douche, ma coupe est toute pourrie. Donc, on va aller à Sartal et j'aimerais bien faire la quête parce qu'il me semble qu'il y a... mais non, c'est pas là que je voulais aller. Il y avait un boss qui était très chiant à buter. Voire pratiquement impossible.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'apprécie guère les bavardages. D'accord, bah ciao. Avez-vous besoin d'aide? Ta gueule. Alors, je suis peut-être aveugle, mais... Ah bah oui, c'était juste devant moi. Eh ben, on va à Sartal, hein. Attends, mais ils y vont à pied? Ils y vont en marchant, comme ça? Je crois que mes parents m'ont réservé une place. Fais voir si je fais... Si j'attends une heure. L'académie le jour de ma naissance. Est-ce que je vais pouvoir peut-être les rejoindre? Oh, on s'en fout. Allez, on va y aller directement. Sartal. Oui. Oh. Selon certains, quand la nuit tombe sur bord de ciel, les loups-garous tombent sur les imprudents. Ta-ta-tan. Alors, ils sont où ces cons? Ah, ta-ta-ta-ta-ta. Ah. Ouais, ouais, je prends ça. Je prends ça. Je... Non, ça c'est la merde. Ouais. J'arrive. C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de ciel. Qu'est-ce que cet endroit que... Pouvez-vous m'enseigner la magie d'Atar? Ça me ferait un plaisir de partager une partie de mon savoir. Allez, je prends tout. Voilà. Comme ça, ça augmente en plus. Ouais, regarde ça, d'ivoire. Ah, oh, ça augmente plus. Oh, c'est ballot. Allez, encore un petit peu. Nien. Merde. C'est toujours encourageant de voir les jeunes générations prendre leur éducation au sérieux. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Bien. Restez près de moi une fois à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de danger, mais prudence et mère de sûreté. Et merde de sûreté. Fais voir un truc. Alors, nous battons, clairvoyance, corps éthéré, furie, ponction de vitalité, rune de foudre, soin, souffle ardent. Rayonnante. Non, c'était pas ça, je voulais... Illumination. Ouais. C'est pour nous éclairer. Et ben enfin. Alors il me semble que je suis déjà rentré là-dedans, mais j'avais pas la clé, blablabla. Je ne crois pas que nous devrions être ici. Ah, vous êtes là finalement. Qui sait ce que nous pourrons trouver? Oh, tu sais. Sartal était l'un des premiers établissements nordiques de bord de ciel. C'était aussi le plus grand. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à cet endroit après qu'il ait été pillé par les elfes lors de la nuit des larmes. Oh, la nuit des larmes. Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous avons une chance inouïe de pouvoir... Avez-vous des questions avant que nous commencions? Je n'ai plus de questions. Que voulez-vous que je fasse? Non. Ce qui pourrait présenter de l'intérêt. Ah oh. C'est ce qui rend cet endroit aussi passionnant. Nous ne savons jamais ce que nous allons y trouver. Et si, par la même occasion, quelques étudiants pouvaient comprendre l'importance de mon message sur les dangers de la magie, je serais comblé. Ok. Ah oui. Allez donc voir si vous pouvez aider Arnie Elgan. C'est l'un de nos érudits. S'occupe de répertorier nos découvertes. Je crois qu'il serait ravi d'avoir un peu d'aide pour chercher des artefacts magiques dans les ruines. Tout objet enchanté fera l'affaire, peu importe l'utilité de l'enchantement. Si vous trouvez quoi que ce soit, nous le montrerons aux élèves. Quoi que ce soit. Alors. Pourrais-je vous faire faire à vous, Brilina, ma chère?
chercher donc des sorts de protection. Quand je pense que mes ancêtres ont détruit les terres de ce domaine, j'en ai rien à foutre. Ouais, s'amuser comme des petits. Tire-toi. Soit il n'y en a pas, soit on les a retirés il y a bien longtemps. Alors, elle est où, Arniel, là? Je sais pas quoi, là. Brainwolf. Je ne crois pas que tout un chacun apprécie de farfouiller dans les ossements de ses ancêtres. J'en ai rien à foutre de vos vies. Parlez à quelqu'un d'autre. Ne me parlez pas, s'il vous plaît. Vous êtes gentil. Vous pensez qu'il y a un trésor ici? J'en ai rien. Qui fera de Jezargo un sorcier puissant. Oh, tire-toi, bordel. Rien à foutre. Ah bah voilà, bon sang. C'était là. Alors, bonjour. Ah, c'est un gars. Je crois que c'était une meuf. Visiblement, rien de tout cela ne servira à mes recherches. Tovdir m'envoie vous aider. Qu'est-ce que vous savez sur Ancano? Quoi? Ah oui, je me souviens de vous. Vous allez m'aider? Très bien. Mais attention à ne pas mettre le bazar dans mon travail. Promis. Je n'ai pas regardé partout dans le coin. Ouais. Vous pouvez chercher dans les chambres, au nord d'ici. Ah, ça y est, ça me revient. Essayez de faire attention, d'accord? Il ne faudrait rien endommager, surtout. Alors. Ouais, ok. Eh bien, voilà. Ce que je voulais faire, c'était voir aussi ça. Si j'enlève ça. Eh oui, regarde ça. Hé! Elle est où? C'est très loin, d'accord. Sartal. Fais voir. Et si on faisait... Ok, ok. Bon, ça, je prends, ça. Un anneau enchanté. T'as, il l'avait pas vu. Oh, bordel. Un autre anneau enchanté. Toi. Oui, Montane. Que désirez-vous? Gratte-moi les couilles. Non, je déconne. Il faut que je change. Hein. Bien sûr, Tan. Que puis-je faire pour vous? Oh, tellement de choses, mais bon, ce serait indécent de le dire ici. Ça, prends ça. Tête de chibre. Serre-moi quelque chose. Voilà. Ça me fait beaucoup de place. Énorme. Oh oui, ma Huskarl. Ah, c'est là où on se fait... Ah oui, c'est vrai. J'en avais chié ici. Et d'ailleurs... Voilà. Oh. Quel était ce vacarme? Tout va bien? Bah ouais, bien que non. Mais attends, je peux passer, entre, tu te décolles, là. Mais comment avez-vous fait? J'ai décroché une amulette sur le mur. Vraiment? Cette amulette est peut-être importante. Pouvez-vous l'utiliser? Utiliser la mêlée de Sartal pour échapper au piège. Alors, amulette de Sartal, tenue, amulette de Sartal. Vous voyez ça? Une sorte de résonance entre vous et le mur. Il doit être lié à cette amulette. En même temps, quel effet vos sorts pourraient bien avoir? Mais je passe là entre les barreaux, tu déconnes? Putain. Ok, bah c'était là où Pardon. Illumination, peut-être, je sais pas. Ouais, bon, bah non. Altération à rayonnement. Hop! Oh! Eh, c'est moi ou c'est pas moi? Bon, regarde, va comme ça, tête de chibre et avance. Ah, mais en fait, ça. En fait, c'est pour éclairer ça. Quand tu sais pas ce qui se passe, tu. Paf, tu balances. Eh, d'accord.
moi. J'ignore ce qui nous attend ici. Ah oui, ça me revient. Restez sur vos gardes. Il va se passer un truc. Oh, voilà. Oh là là, j'ai une vision. Oh. Écoutez attentivement, mage. Sachez que vous avez déclenché une série d'événements qui ne peut être enrayée. Nous n'avons pas prononcé notre jugement, comme vous n'aviez aucun moyen d'être au courant. Nous jugerons vos agissements futurs et la façon dont vous surmonterez les dangers qui vous attendent. Vous recevez cet avertissement car l'ordre des psychiques croit en vous. Vous êtes la seule personne capable d'empêcher un désastre, mage. Prenez soin de vous et sachez que l'ordre vous surveille. Je viens de sentir quelque chose de très étrange. Que s'est-il passé ? Un genre de spectre ou de fantôme est apparu et m'a parlé. Étrange ? Je n'ai rien vu du tout. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez vu ? On y évoquait un danger à qui nous attend, mais aussi l'ordre des psychiques. L'ordre des psychiques ? En avez-vous la certitude ? C'est très étrange. Et des dangers ? Mais ça n'a aucun sens. Les psychiques n'ont aucun lien avec ces ruines. Et personne n'a entendu parler d'eux depuis bien longtemps. Nous devrions peut-être jeter un coup d'œil dans ces cercueils. Faites attention. Qui sait ce que nous pourrions trouver ici ? Oh. Suivez Tolf Dir. Allez. Ah ! Oh, bonjour ! Il y en a d'autres ? Ah oui. C'est tout simplement fascinant. Fais voir. Faudrait que j'utilise quand même un peu la magie. Hein. Détection des morts, corps de Shell. Ah d'accord. Illumination, ok. Non. Non ! Masse, voilà. Non ! Y'en a d'autres ? Y'a d'autres Tarlouz dans le coin, là ? Hey, Tarlouz ! Attention les os. On peut se faire mal dessus. Regarde, hop ! Oh là là ! Bonjour. Ah oui. Oh là. Ah. On va s'amuser un petit peu. Voilà. Oh bah dis donc. Oh ils sont... Il y en a d'autres ? Il y a d'autres Tarlouz ? Oh bah alors ? Bah dis donc, qu'est-ce qui est ? Je n'ai jamais rien vu de tel dans les ruines nordiques. Regardez-moi. Il faut que j'examine. Je n'ai jamais rien vu de tel dans les ruines nordiques. Trouver le danger qui menace Sartal. Il faut que j'examine tout ça. Mais du coup. Mais un coup, bah oui, les deux quêtes sont liées finalement. Qui menace Sartal et ça, trouver les fragments d'amulettes. J'aimerais rester ici un moment. C'est tout simplement fascinant. Ah bah. Pour quelle raison est-ce que l'ordre des psychiques a décidé de me contacter ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est absolument fascinant. Du moins, si c'est bien vrai. Personne ne les a vus depuis la disparition de l'île d'Arteum, il y a plus d'un siècle. Bah mon Dieu. Et soudain, ils décident de vous contacter. Ma foi, c'est fort curieux. Si j'étais vous, je prendrais cela comme un compliment. Les psychiques n'accordent pas leur attention à n'importe qui.
Ok, pourquoi t'es venu me parler alors? Laisse-moi tranquille maintenant. Comment on ouvre ça, espèce de con? Ah bah tiens, bah voilà. Voilà. Allez. C'est parti pour une quête des plus gros... On la refait. C'est parti pour une quête des plus gros combolesques. J'arrive même pas à parler en plus, bordel de merde. Qu'est-ce que vous me faites chier finalement? Moi je prends mon petit arc comme ça, tranquille, et j'avance tout doucement pour faire des quêtes, pour fouiller comme ça. Hein, laissez-moi tranquille. Petite chose comme ça, voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est un squelette qui a rien. Alors. Il y a des drogueurs un petit peu ou comment ça se passe? Drogueurs. Ah oui. Ça bouge là. Oh là là, et merde. Hein. Voilà. Laisse-le-moi. Laisse-moi se péder là. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Boum! Allez, en pleine poire. Bah dis donc, c'est qu'il fait mal ce sort. Hein. Il arrive. Le méchant arrive. Alors, il est au méchant. Ah oui? Bah dis donc. Faut que j'améliore ma hache à deux mains. C'est lequel, c'est lui? Oh mon dieu. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ah mais il était pas mort en fait, il était juste... D'accord. Mon dieu. Il avait pas la même tête que les autres. Ah bah non, il est là l'autre. Oui, moi je l'ai fouillé lui, alors. Ah. Oh. 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 Y'a quelqu'un? On voudrait pas déranger, hein. C'est quoi ça? Porte de fer. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? Non, bon, on se sert alors. Hein. Vous nous en voudrez pas. Alors. Ils sont où les drogueurs là? Ah, regarde! Oh! Ah. Ils sont là. On les a réveillés, les cons. Eh oui. Ah, mais il faut que je sors mon mâche, moi! Chier. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je
prends, je prends, je prends. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh. Alors, on en était où? Il y en avait que deux. Il y a un, deux. La merde. Ensuite. Oh, bah d'y voir. Ah, encore un de ces trucs farfelus là. Bah dis donc, le mec il a dans sa poche le drogueur une armure de verre. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, encore ça. Arc Dwemer, non, ça vaut pas grand chose. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une énigme à... Parce que... Là, fais voir. Donc il y en a trois, on est d'accord. Alors, poisson, poisson. Pigeon, serpent. Serpent, poisson. Aïe. Ok, ça risque d'être compliqué. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Là, je suis empoisonné, mon dieu. Non, c'est vide. Paf. Voilà. Du coup... Parce que, attends, je suis... Ah, sortel. Trouver l'amulette. Ok, il y en a deux. Ok. On va voir ailleurs si on trouve pas un petit indice. Hein. Parce que là, y a bah regarde. On peut descendre. Ah oui, pardon, c'est là d'où je suis arrivé. Donc, je suis monté. Je suis retourné, il y avait là. Mais je suis pas allé par là. Qu'est-ce que c'est? Ailleurs. Alors. Oh. Bah voilà. Bah, tout ça pour 14. Bah bravo. 14 pièces d'or. À un moment donné. Voilà. Alors on va passer de l'autre côté. T'es jeté. Oh bonjour. 3 pièces d'or. Bon. Du coup, il n'y a rien à voir d'autre. Il n'y a rien à voir d'autre. Bon, bah, on doit aller là-bas et on sait trouver une solution à cette mystérieuse énigme. Parce que, ok. Ok. Attention le piège. Ça va sinon, ça te convient cette vie? Tiens, recule. Recule. Non, bon. Bon, alors oui, c'était là. Alors. Ouais. Est-ce que... Je me disais, c'est peut-être avec le son. Oh putain, je suis con. C'était juste derrière. Oh, je suis. Alors donc. J'avais pas vu. Ah non, pas le noir. J'aime pas le noir.
Hein, enfin, le sombre, parce que si on dit le noir, les gens ils vont dire « que raciste !» Bon, alors là, c'était un pigeon, c'était un poisson. Ici, c'est le pigeon. Voilà. Là, c'est le serpent. Ah non, je sais. C'est une feinte. C'est ici. Bah attends, on va faire ça comme ça. Mais je crois que non, en fait. Je crois que c'est faux, en fait. Tu vas voir. Il va me dire que non. En fait, il me semble que c'est l'inverse. Que pigeon, il me semble que c'est de ce côté. Et le poisson, c'est de ce côté. Regarde. Eh ben non. Bah voilà. Il m'a fait mentir, le con. Alors, il y a quelqu'un? Non, parce qu'à la base, on est venu pour découvrir des machins. Oh, bah s'il y a quelqu'un. Bah alors... Oula! Il m'a l'air d'être pas content, lui. Ok, ok, d'accord, j'ai compris. Le mec, il aime pas qu'on le tape. Il est réfractaire. Putain, c'est elle qui l'a buté, la pute. Espadon, nordique, la santé et la vigueur de la cible subissent 15% de points de dégâts de glace. 388 de valeur pour 18 de poids. Bon, allez, c'est pour la forme. Hein. Mais bon. Non. Alors, bah, du coup, on n'a pas eu le temps de tout fouiller. Alors, t'es gentil, tu me laisses 5 minutes. Pas un coffre ici, là. Ouais. Dans des temps immémoriaux, il y avait des... Bon, on s'en fout. Urne. Et à moi, la richesse. Ouais, bon, tire-toi, Raya, t'es bien gentille, t'es mignonne, mais t'es conne. Allez, c'est quoi ça? S'en fout. Ça, de l'or. Waouh. Waouh. Merde, je voulais sauter. Ça n'a pas voulu sauter. Parce qu'il n'y a pas des trucs par là, là, là-bas, là, par exemple. Non, bon. Encore une porte. Allez, une porte à fer, moi j'arrive. Oh, c'est quoi cette dégueulie? Qui a dégueulé? Oh, à tous les coups, il y a des araignées, comme d'hab. Hein. S'il y a des toiles d'araignées, il y a des araignées. Oh, je vous fais découvrir quelque chose. Que c'est quoi ça? PLFIC 235, non, c'est de la merde. Y a pas un piège là-dessus, là? Nien. Allez, donne-moi tout ça. Ouais, donne-moi la fraîche, moi, je veux te la... Oh, si la cible meurt dans 15 secondes, il remplit un gemme de spirituel. Oh. Ça, on s'en fout un petit peu, mais on garde, parce que ça vaut bien cher, ça. Ah, il y a encore un truc, regarde, ça va m'exploser à la gueule. Ouf. Oh bah ça m'a rien fait. Oh bah moi je m'attendais à quelque chose de plus de plus rocambolesque quand même, non? Un truc qui titille la curiosité au moins. Encore une fois. Voilà. Bah, là oui. Là oui ça m'a fait mal et voilà. Pourquoi ma masse n'est pas verte? Elle a besoin d'un... Pourtant, je l'ai. Mais... Ouais. Espadon. Ouais, on s'en fout. Ma masse. Mais pourtant, elle est remplie. Pourquoi? Alors. C'est quoi cette merde encore? Oh, c'est encore une énigme à con de Tarlouse, là. Il y en a 6, c'est comment qu'on fait? S'il y en a 6. Hop. Ailleurs. Oh là là. Diantre. Alors, si... Ah, attends. Alors. Serpent poiscaille. Poiscaille. Pigeon. Serpent. Serpent poiscaille. Poiscaille, pigeon.
Oh, c'est chiant. Je dirais. Ah, attends. Serpent, arrêt. Merde. Poiscaille. Pigeon. Oh là là. Serpent, poiscaille. Poiscaille, pigeon. Serpent, poiscaille. Alors, comment je dois le faire? Parce que si je bouge celui-ci, par exemple, ça bouge les quatre. Si je bouge celui-ci, ça bouge celui-là. Si je bouge celui-ci, ok, ça bouge les deux. Donc, je dirais que 1, 2, 3 et 4. Donc, attends. Donc, 1, 2. Non, 1, 2, 3 et 4. Donc, 1. J'ai une poisson rouge, donc 1, 2, 3 et 4. Ok, donc ce que je dois faire, c'est serpent, poiscaille. Ah putain, j'ai déjà oublié l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc. Non, poiscaille. Ouais. Donc, 1. Ok, 1. Donc, poiscaille. Serpent. Pigeon. Poiscaille. Poiscaille, serpent. Merde. Poiscaille. Merde, j'y étais. Serpent, pigeon, poiscaille. Pigeon, poiscaille. Normalement, ça devrait être bon. Je suis le meilleur. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a après là? Attendez, mon garçon, attendez. Il était grand temps que je vous rattrape. Aïe. T'aurais pas pu venir avec moi de base. Oh bah regarde-moi ça, dis-moi ça là. D'ivoire. Il est où? Soyez prêt à vous défendre si nécessaire. Ouais bah. C'était un groupe de mages très puissant dont les origines précèdent la naissance de l'Empire. Leur histoire est enveloppée de mystères. Personne ne les a vus depuis plus d'un siècle. Bah bon Dieu. Ils se sont volatilisés. Tout comme leur sanctuaire sur l'île d'Arteum. J'ignore quel lien ils pourraient avoir avec cet endroit. Ok, pourquoi tu m'as demandé de m'arrêter? Si ce pourrait me dire de nouveau. À la prochaine fois. Je comprends rien à ton délire, toi. Alors. Ah, oui, bah merci Raya. Oh, petite gemme. Gemme spirituelle inférieure. Drogueur. Mes couilles sur la commode. Et ça. Urne funéraire, waouh. Oh, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, ça me revient. Ça me revient. J'arrive tout de suite.
Eh bien, on est reparti, les enfants. J'ai cru qu'il y avait une... Comment ça marche? Comment c'est? Voilà. J'avais cru qu'il y avait une embrouille en bas de chez moi. Je suis allé vérifier un peu. Je n'aurais jamais cru que nous trouverions une chose pareille. Ouais, et du coup, c'est quoi? Tout simplement fascinant. Ouais, d'accord. Pourquoi est-ce enterré aussi profondément? Très bien. Ok. On va pas les petites... Des trucs à récupérer, là? On descend? Oh, bah, il est pas content, lui. Bah oui, je l'avais oublié, bordel. Moi, je reste là-haut, bande de tafiole, là. Il n'y a rien à faire. Je vais essayer. Épuisez au moins une partie. Crevez. Ouais. Ah, mais qu'est-ce que je voulais prendre, bordel? Déferlement. Le mec, il se tape et il récupère les trucs comme ça. Ah, du coup... Ah, ça le... Ah oui. Attends, avant de parler à qui que ce soit... Ah, le fragment d'amulette. D'amulette. Eh ben, je l'ai. Trouver le fragment d'amulette, gold dur. Ok. Formule d'emprisonnement. Bon, pourquoi pas. Arc flèche d'Oemer, quantique. Je ne suis pas le seul à voir ça, n'est-ce pas? Si. Ma parole, c'est absolument unique. Et du coup... Il est prêt à vous défendre si nécessaire. Oui. Quelle est cette chose? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est fascinant. Absolument fascinant. Il faut en informer l'archimage immédiatement, il doit le voir de ses yeux. Je n'ose pas le laisser sans surveillance. Pouvez-vous retourner à l'académie pour prévenir Savo Saren? Hâtez-vous. Bien sûr, adressez-vous à l'archimage. Attends, avant toute chose, tu vois pas, hein? J'ai failli perdre la vie, alors je vais récupérer 2-3 trucs. T'es gentil. Alors, ouais. Ouais. Bon Dieu, regardez-moi ça, comment c'est beau. Porte en fer, y a pas... Attends, ça c'est sûrement pour parler... Putain, j'ai du mal à parler. Pour partir, pour pas faire tout le chemin inverse, y a toujours un passage à quelque part pour... Oh, une urne. Potion de magie. Et... Un crâne. Allez. Ça, je l'ai fouillé. Non, je l'ai même pas fouillé. Ruby. Niam, niam. Merde, non, je pouvais pas... Non, oh, putain. Divers crâne. De mes couilles, là. Crâne de troll, tu veux que ça me foute un crâne de troll? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un crâne de troll? Mis à part s'amuser à faire ça, et d'un coup, hop là. Le faire valdinguer, c'est tout. Ouais, bref, alors là-haut... Peut-être des trucs là-haut. Non, de ce côté j'ai vérifié, mais de ce côté j'ai pas regardé. Hein. Et ouais, y a pas un petit truc là. Petite gemme à récupérer, un petit quelque chose quoi. Pour manger ce soir, là, s'il vous plaît. Bon. Allez. Du coup. Non. Hop. Bah, je l'ai trouvé. La demeure. Ah oui, mais c'est ça en fait que j'arrive pas à trouver. Enfin, on verra. On verra ça plus tard. Voilà. Oh, un mot draconique. Bah du coup, on va direct. C'était lequel? Paf. Celui-là. Comment on débloque? Tac. R. Paf. Est-ce que j'en ai d'autres à débloquer? Putain, je commence à en avoir un paquet, non? Que j'utilise pas du tout. Alors, ça, un petit coffre. Oh, magistral. Contient sublimam. 292. Oh, attends. Inflige 30 points de brûlure à la cible. Les cibles qui s'enflamment subissent des dégâts supplémentaires.
Moi, dis-vous, allez, je procède. Et ça, le truc de ta fiole redonne 6 points de santé à la cible par seconde, à condition qu'elle ne soit ni un mort vivant, ni à être. C'est de la merde, mais bon, on prend. Ça, on prend aussi. Mais fais voir ma petite. Ouais. Parce que ça, c'est inflige 25 points de dégâts de glace et 12 points de dégâts de foudre à la cible. Donc, 25 et 12, ça fait 37. Et ça, 30. Mais ça inflige des dégâts supplémentaires. Pouf! Du coup. Ah, mais c'est l'arc des rossignols. Je peux pas le vendre, ça. Ah non, je peux pas le vendre. Ah, non. Site de fouille. Où est-ce que je ressors, moi, avec ces histoires-là? Ah, je ressors là. Ça me gratte. Ouais. S'il vous plaît. Ouais. Alors peut-être que je suis aveugle, hein, je sais pas, mais... Y'a pas un... Oh, écoute, faites un effort, merde. Raya, non. Ah! Putain. Alors, c'est bon. J'ai trouvé des trucs avant vous. Je suis le meilleur avant vous. Ok. Alors, il faut aller voir l'archimage, mes couilles. La majeure partie de Fort d'Hiver fut engloutie sous par les flots lors de grands ravages de mes couilles. Quartier de l'archimage. C'est quoi ce reflet? Y a pas de lumière. Pourquoi y a un reflet, bordel de merde? Archimage. Oh merde, je peux pas les prendre. C'est quoi c'est? Vitrine, ouvrir. Ah putain, c'est nul. Attends. Est-ce qu'il me voit là? Il me voit pas là? Tu me vois pas? Alors, oui, bonjour monsieur, je voulais vous dire un truc. Oh. Ah mais je suis con, en plus c'est un coup, il les vend tout ça. C'est un coup, il vend tout ça. Oh! 9 sur 24, volé. Bien sûr que je vole. 33. Coffre. Qu'est-ce qu'il a dans son coffre? Ça, je prends. Je prends. C'est pas moi, monsieur. Hein. C'est Raya. 603? C'est pas négligeable. Hein. Je prends, ça. Ça, je prends. Je prends. Qu'est-ce qu'on a là, ici, là? Ouvrir. Non, c'est de la merde. Détecter, ben, bien sûr. Alors. Ce que vous avez appris ici vous servira toute la vie. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Bien sûr que si. On va parler de vous, mais nous n'avons jamais discuté. Non. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Savo Saren. Archimage de l'Académie de Fort d'Hiver. Ça vous serait. Je suis bien content de voir que presque tous les aspects de la magie sont explorés et étudiés ici. Mais je n'approuve pas les recherches ou les expériences qui causent du tort de façon intentionnelle aux autres membres de l'Académie. Est-ce bien clair?
Il faut que je vous parle de Sartal. Les recherches dangereuses doivent être un problème ici. Je souhaiterais en savoir davantage sur l'histoire de l'Académie. Rien à foutre. Quel est le but de l'Académie? Vous avez eu l'occasion de croiser l'ordre FCG? Personnellement, non, pas moi. L'un des leurs était le conseiller de l'archimage à l'époque où je n'étais qu'apprenti. Mais c'était il y a bien des années avant bien que des lustres. Ne soit rappelé oh. Sur l'île d'Arthéum et qu'il ne disparaisse entièrement. Ok, bon, écoute, Grognio. Pitié, ne me dites pas qu'un autre apprenti a été incinéré. J'ai bien assez de travail comme ça. Nous avons trouvé une sorte d'orbe. Tolfdir voulait que vous ayez jeté un œil. Nous avons trouvé quelque chose à Sartal et Tolfdir pense que c'est important. Je vais dire ça plutôt. Très bien. Je sais que vous ne seriez pas ici s'il s'agissait de broutilles. Merci d'avoir porté cela à mon attention. C'est Tolfdir qui surveille votre petit groupe habituellement, non? Puisqu'il a l'air occupé et que je vais devoir voir cette découverte de mes propres yeux, je pense que vous devriez peut-être commencer vos recherches sur le sujet. Oui. Parlez à Urag, à l'Arcanéum. Demandez-lui s'il connaît quelque chose concernant votre découverte. Et beau travail! La prochaine fois que vous explorerez des ruines nordiques, cela vous sera peut-être utile. Qu'est-ce que c'est? Bâton de rayonnement, ben j'ai déjà sort de rayonnement. Commencer les livres perdus. Ah et oui, voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, j'aime bien, faut aller chercher des livres dans des endroits... Attends, mais ils vont ce pas... Ce que vous avez appris, ce n'est pas un secret. Attends. La réputation de l'Académie... Non, parce que moi ça m'intéresse, vos petits... Non, en fait, non. C'est une in-route, ça. C'est pas moi. Bon, alors déjà, ce qu'on doit faire. C'est où la sortie, monsieur? On peut pas aller là-haut? Ah bah non, d'accord, ouais. C'est... Par contre, dormir ici, j'espère que c'est bien chauffé, hein, parce que... vous arrivez à dormir avec ça. Oh mon dieu. Vous êtes vraiment bizarre, monsieur. Le mec, il va chez les chez les gars, il s'amuse avec des têtes, des crânes comme ça. Attends, c'est où la sortie? Ah merde, parce que moi je veux retourner à Blanche Rive et je sais que je peux pas me téléporter d'ici. Non, mais je veux juste mettre... Ah putain, vous m'emmerdez. C'est où la sortie? Bon, on va dire que c'est là, bien que ce soit pas là. L'Arcanum. T'as bientôt 2 heures que je stream. Bah, c'était pas là, on est d'accord. Moi, je veux juste me barrer, hein. Bord de ciel, voilà. Chut, allez. On est où? Ah, d'accord, on est là. Bon. C'est... Ok. Hop. Ah oui, effectivement. Ah, c'est bon, là. Carte. Donc, on va à bord de ciel. Blanche Rive. Hein, pour poser des trucs et plein de machins. Et ensuite, on va faire la quête pour aller découvrir les livres perdus. Et en fait, c'est super bien, ça. Parce qu'il nous envoie toujours plus ou moins faire la même chose. Mais aller chercher des livres, en fait. Des livres à droite, à gauche. Voilà, quoi. Alors... Et ça nous fait découvrir des lieux qui nous font... Ça nous fait découvrir des lieux, et de ces lieux, des fois, on peut découvrir des mots de puissance, des mots draconiques. Et oui... C'est du vin, ça? Voilà. Et donc, elle a la tremblote, hein, il est encore vivant, le truc. C'est quoi, moi, je vais... Nourriture. Voilà. Est-ce que je peux me bourrer la gueule? Apparemment, non.
Attends, mais en fait, une petite baraque comme ça, c'est génial, quoi. Attends, t'imagines ? Oh bah maintenant, une baraque comme ça, ça va coûter une blinde. Bah, c'est vachement grand, t'as de la place. Ouais, bref, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je voulais ranger ? Arc rossignol. Bah, on va le ranger. Stocker. Arc... hein, j'ai ça aussi, moi ? Ah oui, c'est vrai. Ça, le bâton de fiotte, je rends. Ça aussi, je crois que je vais le revoir. Je sais pas. Putain, mais j'en ai plein, en fait. Attends, boule de lumière qui dure 60 secondes et reste où elle tombe. Ok. Espadon. Hop. Ça, je garde. Et épée de verre. J'avais pas... ça, on va remettre ça. Qu'est-ce que j'ai de beau ? Un petit grenat. Ah, j'étais persuadé que j'avais des os de dragon. T'en as, toi ? Oui, mon Tan. Bien sûr, Tan. Que puis-je faire pour vous ? Eh ben voilà. Ok, allez, hop. Allons-y. C'est quoi ça ? C'est moche. On va déposer ça. Du coup, ça m'en fait un paquet, ces trucs-là. Ouais. Ok, j'ai réellement tout ça. Putain. Alors, regarde-moi ça, putain, mais si je vendais tout ça, je me ferais un max de flouze. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait de base ? C'était... C'est dommage, ils auraient dû mettre quelque part un petit... comment ça s'appelle ? Une petite barre de recherche. Hein ? Bon. Pour rechercher ce que tu as envie de trouver. Alors, écailles de dragon, j'en ai 12. Et os de dragon. Os de dragon, 8. Ouais, bah peut-être que bientôt, je pourrais faire une armure. D'ailleurs, je sais pas si... il me semble qu'on peut en faire une. Mais je ne sais pas... elle a combien de... d'armure, en fait, de... elle a combien de... comment ça s'appelle de, hein ? De protection, voilà. Vous m'avez compris, écoute. Et... il y en a, mais fais voir, attends. Carte. Ok, il y a ça. Ça, c'est... Ok. Adressez-vous à Urag, Grog, Chub. Ok, bah l'autre, je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Le... pour terminer la quête... elle est une légende interdite là. La demeure de Germund. La demeure de Germund là, c'est pas à Faïs. Je suis pas sûr, mais on verra ça plus tard. Ah oui, pardon. On va chez les Targés. Académie de Fort d'Hiver. Bah dis voir, vous êtes pas très nombreux ce soir. Hein. Twitch, pourrais-tu me mettre un peu plus en avant ? T'imagines, il y avait un glitch sur Twitch. Et en gros, tu dis, Twitch, voudrais-tu me mettre un peu plus en avant ? Et là, l'algorithme de Twitch bah, te met genre plus en avant. Donc, Twitch, pourrais-tu, s'il te plaît, me mettre plus en avant ? Ma chaîne. Pourrais-tu mettre ma chaîne Twitch plus en avant ? Ah, peut-être, on sait pas. Hein. C'est un coup, il y a des gars. Je vous cherchais. Je voulais vous dire qu'Ancano a demandé de vos nouvelles. Je crois qu'il aimerait vous voir. Ah, c'est un coup. J'arrive, poupée. C'est un coup, ouais. Il y a des... comment ça s'appelle les programmeurs
de tous les trucs Twitch, machin, bidule, ils se sont dit, on va mettre un easter egg ou une connerie dans le genre. Si les gens disent cette phrase, ça met en avant le cher de YouTube. Mais il faudrait peut-être trouver la formule exacte. Putain, je pars dans des délires, moi. Pourquoi Agano me cherche-t-il ? Je ne sais pas, mais faites attention à ce que vous lui dites. Il y a un problème, qu'est-ce que ça peut faire, que je vais dire ? Entre nous, il y a des rumeurs sur lui selon lesquelles son poste de conseiller ne serait qu'une façade. Un prétexte. Ça me fait mal. Qu'il ne serait là que pour nous espionner pour le compte des Talmor, en vue de leur fournir des informations. Je ne peux pas assurer qu'elles soient fondées. Mais ça ne peut pas faire de mal d'être un peu sur ses gardes, n'est-ce pas ? Je dirais ce que je veux. Bien sûr, comme vous voudrez. Je voulais juste vous mettre au courant. La magie de destruction... Je peux vous apprendre, mais je ne suis pas responsable de ce que vous ferez avec ce savoir. Vous devez passer au niveau suivant pour pouvoir... D'accord, ok. Alors, c'est où ? C'est ici ? Quartier de l'Archimage ? Vous savez ? Non, je sais pas, et j'en ai rien à foutre. Merci, à bientôt. L'illusion est l'école de la magie. Faut que je passe par là, mais comment ça ? Mais putain, mais c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là à prendre là ? Oh, non ? Si seulement je pouvais me débarrasser des tâches quotidiennes, elles sont si souvent épuisantes. Excusez-moi, ça me gratte les roubignoles, hein. Vous savez ce que c'est, les gars. Alors, les tâches quotidiennes ? Attends, bah moi je peux les faire, tes tâches quotidiennes. Non ? Il vous faut quelque chose. Vous me voyez ? Bah oui, bien sûr que je le peux. Bon sang, j'étais sûr d'être invisible. Ou du moins transparent. Ah putain, j'ai le... Mais irrité. Et ça me fait très mal. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais bon. Mais j'adore partager mes petites péripéties nasaux. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Il y a des trucs à vendre ? Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Ouais, armes, ouais, d'accord, des trucs de fiottes encore. Divers, ouais, ok. Bon, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je souhaiterais que vous donniez une formation de magie d'illusion. Je vais vous expliquer les mystères des royaumes extérieurs. Ok. Quels sont les sorts d'illusion ? Est-ce que je peux aider les affaires de l'académie ? Il y a peut-être une matière pour laquelle vos compétences peuvent se montrer utiles. Les différents points centraux des énergies magiques qui affluent autour de l'académie ont été pollués. Oh. Il faut les purifier. D'accord. Très bien, j'essaie de vous aider. Tant mieux. Ces gants enchantés spéciaux vous permettront de plonger directement dans les points de convergence pour y prélever les énergies. Plongez-vous dans chaque point de convergence et supprimez les impuretés que vous y trouverez. Rapportez-moi les gants quand vous aurez terminé. Faites très attention. Ce genre de procédure n'est pas sans conséquences. À la prochaine. Ça sent le cramé. Attendez, c'est bizarre.
Je sais pas, c'est mes narines qui me font des tours. Adressez-vous, voilà. Réunification de bord de ciel. Purifier la académie. Ça me bat les couilles. On fera ça plus tard. T'es gentil. Merci. Bonsoir. Alors. Le livre jaune des devinettes. Alors ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? J'en suis sûr, il y a des trucs super intéressants à lire. Mais... Alors, fais voir. Pas des petits trucs à récupérer, là. Non. Voler nécessite une clé. Oh, c'est chiant, ça. J'aimerais tellement foutre le bordel. Alors, c'est je toi. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. Non. Ok. Ah, ok, nécessite une clé. Bon. Vous vous trouvez dans l'Arcanéum, dont j'ai la charge. Ça pourrait tout aussi bien être mon plan personnel d'Oblivion. Semer le désordre dans mon Arcanéum. Et je vous fais déchiqueter par mes atronacs en colère. Oh, bien. Pardon, excusez-moi, monsieur. Dit, avez-vous besoin d'aide ? Est-ce que je peux aider les affaires de l'Académie ? Je recherche des renseignements sur quelque chose que nous avons trouvé à Sartal. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Fais voir ce qu'il a à vendre. Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de toucher quoi que ce soit, voulez-vous ? Putain, il m'emmerde celui-là. Les rossignols, mythes ou réalités, d'accord. Ok, t'as que de la merde. C'est gentil, mais ça m'intéresse pas. Vous prenez le travail très au sérieux. Voilà, bibliothèque impressionnante. Tiens, on va le caresser dans le sens du poil. Un mage ne vaut que ce qu'il sait. J'essaie donc de faire en sorte que nous ayons accès au plus de connaissances possibles. Cette collection date de la deuxième ère. Certains livres ont disparu au fil du temps, d'autres y ont été ajoutés. Mais elle est majoritairement intacte. Ok, cherchez-vous certains livres en particulier. Je suis à la recherche d'un parchemin des anciens. Ok, ça. En fait, ils existent. Avez-vous déjà entendu parler de Chalidor ? Pas du tout. C'est un mage extrêmement puissant. Ouais, blablabla, allez. Rares sont ceux qui ont surpassé sa maîtrise. Ouais. Il s'est enfermé lui-même dans le labyrinthe et s'est voué corps et âme à l'étude et aux recherches. Il a écrit bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Depuis ce temps, ces écrits ont été dispersés aux quatre coins de bord de ciel. Ils n'ont aucune valeur pour qui ne saurait les traduire. Je suis une des rares personnes à en être capable. D'après la rumeur, certains de ces écrits seraient réapparus. Si vous pouviez mettre la main dessus, il nous serait fort utile. Oui. Commencez les réflexions de Ok, trouvez les livres. Trouver les écrits de chat, ok. Passez-vous bien. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, attends, j'ai un truc à faire aussi. J'aimerais bien faire un truc. Les livres perdus, ouais. Réflexion, ok. Ça c'est quoi ? Non, vérifier le. Ouais. Faut que je fasse un truc. Je vais retourner voir les Grisbarbes. Étant donné que j'ai trouvé un nouveau mot. De puissance. Peut-être que ça aurait débloqué un truc auprès des Grisbarbes. Parce que comme ils m'envoient toujours au même endroit, cette bande de cons, le fait que j'ai découvert un nouveau mot de puissance, peut-être que ça débloquera le suivant, qui sait. Alors. Et si on passait par là, je sais pas, peut-être que ça va... On sait pas. Vous savez, hein... Les lignes de code de certains jeux. Surtout des gros jeux comme ceux-là. Hein. Bien que avec le temps, ils soient patchés, bah, ils restent encore plein de secrets et de surprises. Attends, il y en a un ici. C'est lui ou pas ? Je veux juste savoir si c'est lui. Non, c'est pas lui. Il est sûrement en train de roupiller comme d'hab. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai raison ? Votre formation, nous avons ressenti le... Allez, parc-vent. Donnez-moi votre carte. Pas arc-vent. Ta grand-mère, putain. Que le vent. 7 stage free form. Aïe. Gare. Non, gare. A 20. Hey, dégage maintenant, tête de chibron. Putain, je te jure, quelle bande.
Oh, il est sénile, il sait plus ce qu'il dit. À chaque fois, il m'envoie toujours au même endroit. Attends. Passer 400 ans dans des pierres comme ça, c'est sûr que ça a atteint le cerveau, quoi. C'est à moi ça. Ok, il y a de l'espace, il y a une belle superficie, une hauteur de sous-plafond qui est plutôt agréable. Mais bon, entre la pierre qui fait très froid et quelques bougies allumées, ah, ça c'est les cendres qui font cramer. Ça, c'est... Ah, les fumées, ça monte au cerveau et ça te grille les neurones, attends. Bon, alors ça, la torche, on l'enlève et on va aller trouver le bouquin qui me parlait, l'autre con là. Alors c'est ici le bouquin qui me parlait. Désolé. Bah écoute, on va passer par là. Ah oui, c'est vrai, j'avais des gants. Il m'avait filé des gants, l'autre con. Arme. Non, c'est dans tenue. Amulette de Sartal. Ouais, c'est quoi? Ouais, d'accord. Je vais garder ça. J'avais un petit anneau qui était plutôt... Alors, 20 de santé. Ouais, c'est pas mal. Je peux le mettre, les deux? Oh, c'est con, je peux pas mettre les deux. Oh putain, mais j'ai une armure de verre, moi. Des bottes. Ah oui, c'est vrai, les bottes. Mais sans... Mais non! Mais ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai ça, moi? Mais tire-toi. Alors, j'ai les bottes, ouais. Augmente la résistance. On s'en fout. Ah oui, c'est vrai, j'ai les capuchons de merde, là. C'est augmente la santé de 30 points. Mais j'ai pas de 30 points. Alors, les gants, c'est quoi, cette merde? C'est ça? Hein? Ouais, ça, je peux pas le... Parce que... Ah. Ok. Bon allez, ma Raya, on va... Clairvoyance, t'es gentil. C'est par là, allez. Eh ben, quel temps de merde, bordel. Pour une quête à chier. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes qui, madame? Mademoiselle? Vous n'avez pas peur de mettre le feu? Regardez donc. Ah, mais c'est une chasseuse. Elle a quoi? Elle a de la merde, elle a rien. Après, tu peux toujours vendre autre chose, hein, si tu vois ce que je veux dire. Non? Bon, bah tire-toi, tu m'as... Non, attends! Je pêche par ici depuis des années. Bah, j'en ai rien à foutre, si tu savais, putain. Pas grave. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, il arrive comme ça, l'air de rien. Ah, t'es bien gentil. Attends, où est-ce que je suis, moi? Dans quel coin je suis? Je suis là. Ok, il va falloir que je contourne, en fait. D'accord. Et bah maintenant, et sinon, il n'y a pas un petit chemin, là? Ah, bah merci. Quand même. Oh là là. Regardez, on est des loups. Et tiens, prends-toi ça dans la gueule, connard. Peau de loup. Peau de loup. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Un élan vers les noms. Oh, des coqueries. Absolument rien, bah c'est bien. Ah! Ok! Ah, oh, c'est pas sympa ça, les gars. Non, coupe jarret. Bâton de foudre. J'ai une hache. Voilà, coupe jarret. Or.
On a quoi d'autre là? Ah oui. Allez, allez. Bande de gredins là. Voilà, crame. Ils sont où les autres? Il est où? Allez, sur qui tires-tu? Sur qui tires-tu? Loupé. Cette satanée coupe-jarret là. Putain, mais je lui ai tiré dessus, on est d'accord? Ouais. Tu te fous de ma gueule, peut-être? Oh, mais y'en a un là! laisse Raya tranquille, toi. Voilà, t'es gentil. Tu nous laisses tranquille. Récupère la flèche. Bon, sang, y'en a un autre. Oh là là. Un autre ou pas là? Alors. Ça fait un sacré vacarme pour pas grand chose. Hein. Et là, on peut pas les faire tomber par hasard? Ah oh, pétage, je me fais mal tout seul. J'adore ça. Je vais faire mal avec des cailloux. Une grande passion. Ouais, sinon, si on allait chercher le bouquin, sinon, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous en pensez rien, de toute façon. J'ai un spectateur, et encore, je suis même pas sûr que ce soit un spectateur. Tous les coups, c'est un bot. Ouh, regarde, écoutez-moi ça. Oh là, ça, c'est un bon pêche sec, comme je les aime, ça. Oh, bah, allez, ok. Toi, t'as morflé. Ouf. Ouh, bah dis donc, vous avez eu le bruit, mais vous avez pas l'odeur, c'est bien dommage. Yeah. Attends, mais il a les bras. Ouais, bêta. Voilà. On s'amuse comme on peut, écoutez. Hein. Oula, bah dis donc, 29 FPS, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelqu'un d'autre? J'ai tué tout le monde, c'est ça? Non, je regarde, je garde un œil sur mes FPS parce que j'ai l'impression que... Hein? Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris comme merde? Hein? Arme. Arc impérial, mais attends, tu te fous de ma gueule, regarde, moi, ce que j'ai. Tiens, je te rends ça, tête de chibon. Alors, ah, y a quelqu'un. Oh, vous dormiez, je suis désolé. Ouais, merde, je me suis loupé. Alors, hache débonite. Attends, vas-y. Allez donc, bah, d'accord, ok, elle a tout fait. La prochaine fois, je te laisse toute seule, Raya, et tu fais tout le taf à ma place, c'est ça? Potion de crochetage, qu'est-ce qu'on en a à foutre de potion de crochetage? Oh, moi, j'ai beaucoup mieux, moi, j'ai des trucs... Ça coûte 20, c'est de la merde. Sacoche, de la merde. 137, de la merde. Il y a quelqu'un par là? Bah, c'est un sacré petit village que vous avez là. Quelqu'un qui dort là? Des gens qui dorment? Non, je voudrais pas déranger. Hein. Après. 65? Ah bah non, ça améliore pas mes compétences. Flèche de fer, bon, c'est de la merde, mais bon, ça se revend. Ah d'accord, on arrive là. Ici. Oh, le petit coffre d'ivoire, regarde ça. Novice, normalement, ça devrait se faire sans. Tu te fous de ma gueule. Putain, si je. Si je casse un... Aïe, putain, j'ai un bouton là qui me fait très très mal. Si je casse un crochet dans une... Putain, ça m'a fait mal. Dans une serrure novice, ça sert à rien que je suis une quiche. Hein. Dakatoche, c'est de la merde. Bah oui, attends, je vais pas prendre un truc qui vaut pas cher. Quand même. J'ai un standing à respecter quand même.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Voilà. Bah putain, t'es con toi. J'ai entendu un bruit bizarre. Oh, j'ai deux spectateurs, bienvenue. C'est quoi qui a fait ce bruit bizarre? J'ai entendu tit tit. C'est pas mon téléphone. Alors, t'es gentil. Mais on va prendre une petite hache. Oh, ça va là, allez. Allez, tire-toi, toi. Il est où l'autre? Allez, viens là. Tranquille. Tranquille. Voilà. Il y en a d'autres? Oui. Il est où? Il est où le gredin? Le coupe-jarret? Il est où? T'es allé jusqu'où là? Mais pourquoi t'es allé jusqu'à là-bas? Oh bah dis donc. Ouais, dis voir. Comme ça. Sans crier gare, il me balance tout un tas de merde glacée dans la tronche. Mais l'air de rien, il m'a bien fait mal, hein, le con. Allez voir. Moi je tape dans le vent en plus. Allez, c'est ça, mon grand. Vas-y, donne tout. Je vais t'éventrer là. Tiens, dis-vous. Bah oui. C'est à l'article de la mort qu'on. Ah bah finalement. Écoutez, est-ce qu'on pourrait rester là, peut-être? Non? Non? Bon. Bah non, écoute, t'es bien gentil, mais taire-toi, toi. Hein? Alors, oui, ça, j'ai fouillé, c'est de la merde, et que des potions de merde. Alors, d'ivoire, alors, qu'est-ce qu'ils ont, eux? De l'or, c'est bien, ça, c'est comme ça que... J'aime bien ça. Qu'est-ce que c'est? Y'a rien. Y'a rien, les corneaux. Non, non, c'est par là. Attends. Ah. Putain, mourir comme ça, le cul en l'air. Putain. C'est con, ça. Bah, attends. On va l'humilier encore plus. Voilà. Allez-y, faites-vous plaisir. Pour les gens d'autre bord. Tenue. Et armure de cuir, tiens. Alors, rien à foutre parce que c'est de la merde. Ça vaut que dalle en plus. Okay. Oh, ça c'est cadeau ça. Bon, c'est bon, on a tout fouillé ici. On va essayer de se la jouer un petit peu plus discrète. Ah, attends, fais voir. Ah, mais je suis à l'endroit où je vais aller. Oui, d'accord, pour récupérer le livre. Alors, il y a quelqu'un? Bon, avec tout le vacarme qu'on a fait à côté, forcément, ils ont dû attendre. Parce que s'il y a encore quelqu'un, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. J'aime bien fouiller les coins qui servent à rien. Alors. C'est parti. Mine de tranche-lame. Ça me fait penser à des blases comme gorge de loup. Pour ceux qui sont de Lyon, gorge de loup. Rien que le nom, gorge de loup. T'as pas envie d'y traîner à 22h, quoi. Ah, c'est juste... D'accord. Alors, ça va piquer un peu. Vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. C'est le chef des bandits. Ah, oh, bah, c'est bien. Ah, c'est bien, vous avez réussi à... Ouais, bah, en même temps, Lydia, écoute, hein, si t'es... Ouais, désolé Lydia, mais en même temps... En plus, il l'a tué, bordel. Hé, je voulais le tuer. Putain. Pute de... En plus, je l'ai appelé Lydia alors que c'est Raya. Bah oui, mais Lydia me manque. Elle était plus jolie que Raya. C'est quoi ça? Mais je l'ai déjà eu 15 000 fois. Oh, 1600. Écoute, 1600, ça se revend, ça. Ah, il y a toute la tenue, ouais. Ouais, on s'en fout. Je flèche. Ça, c'est quoi? 254, c'est de la merde. 95, c'est de la merde. Oh, c'était une gonzesse, en plus. Ah, les gonzesses de nos jours, hein. De vrais chefs guerrières. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui... Des bottes, oui, pourquoi pas. Non, ça m'intéresse pas. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Expert?
Ah. Non plus. Oh, du voir. Alors, j'espère qu'il y a des trucs sympas là-dedans. Toi. Quoi, t'as des nains, hein? Quoi, des... c'est tout ça pour des filons de fer et du pain rassis? Vous foutez de ma gueule? Alors, réflexion de Chalidor. Ah putain, je me disais, c'est de la merde, je veux pas récupérer, mais si, c'est ça qu'il fallait que je récupère. Oh, un diamant, c'est ça que je préfère. Inspiration, ah, je sais pas si je le connais ça. Élixir de visée, oh, ça vaut une blinde, alors je prends, et ça aussi je prends. Alors, fais voir, livre, livre de sort. Eh, je le connaissais pas. J'aurais pu les cramer, c'est con. Ok. Bah écoute. Ouais. Alors. Bah, je crois que ce sera un peu plus difficile que ça, mais bon. En même temps, c'était pour se mettre en bouche. Faut que j'aille retourner voir l'autre con. Héros le plus célèbre de voir du ciel, c'est mon cul. Allez, on fait tout le tour, on va voir le con. Parcours. Ah, merde. Pourriez-vous aider Jazaro? C'est qui, Jazaro? Vous venez d'arriver dans... Oh, mais c'est toi, Jazaro. Vous avez déjà maîtrisé le niveau expert des sorts de destruction. Nya. Pas encore, mais ça serait tardé. C'est trop dur pour moi. Ah, c'est bien. Mais Jazargo les connaîtra le premier. Oh bah écoute. C'est agréable de fréquenter enfin des mages qui arrivent à la hauteur de Jazargo. Je n'aurais pas. Jazargo voit que Tolfdir vous apprécie. Vous devez être un virtuose de la magie, pas vrai? Jazargo travaille dur, mais il ne peut pas tout faire seul. Pouvez-vous m'aider? Jazargo travaille dur pour apprendre de nouveaux sortilèges, pour essayer de nouvelles choses. Cela fera de Jazargo un mage d'exception. Mais Jazargo travaille tellement dur qu'il n'a pas le temps d'essayer ses nouveaux sorts. Et si vous voulez bien m'aider à les expérimenter, cela facilitera mon apprentissage. Jazargo vous donnera des parchemins. Vous les utiliserez et vous lui direz ce qui s'est produit. C'est un bon plan, non? Prévenez Jazargo quand vous voulez commencer. Très bien, j'accepte vos aider. Donnez-moi le parchemin. Impossible de résister, hein? Voyons. Celui-là, je pense. Jazargo s'en est servi pour créer une excellente aura enflammée à Mélo. Déjà, le mec, il parle de lui à la troisième personne. Ça m'énerve. Efficace contre les morts vivants. Elle devrait les retirer en un rien de temps. Jazargo vous donne une brassée de parchemin. Vous les essayez et vous revenez me dire s'ils ont fonctionné. Ok, parchemin. Bah écoute, ça tester le sort Jazargo sur les morts vivants. D'accord. Jazargo attend que vous lui disiez. Oui, oui, Jazargo t'emmerde. Allez. Au moins, ça fait une quête de plus. D'ailleurs, attends. Lieu découvert 186. Jour passé en vampire 5. Ah, quelle horreur. Hop, on va attendre. Pierre levée trouvée. Trouvée. Livre lu 163. Bah, mon Dieu. Ils ont possédé boutique échange. Attends. Quête. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Quête de la garde de l'aube accomplie, 7. Objectif divers accompli, 177. Ouh. Je crois que je ne suis jamais allé aussi loin dans Skyrim. Confrérie noire terminée. Quête de la guerre civile accomplie. Quête d'Edric accomplie. Série de quêtes accomplies. Bah oui, là.
quête accomplie 69, objectifs divers accomplis 177, ta quête principale terminée 7. Ouais, en fait, j'en suis qu'au début, hein, j'en suis qu'au début de Skyrim. Hein. Bah, en fait, ouais, oh, deux spectateurs, bah, bienvenue à toi. Et il me semble que je ne suis jamais allé aussi loin dans Skyrim que ça. En fait, j'ai pas du tout... J'ai pas vraiment joué, finalement. Pourtant, j'ai cru que j'avais beaucoup joué, mais finalement, bah, je vois que non. Comment ça va, toi, le spectateur ? Hoche de la tête, par oui ou par non, si ça va ou si ça va pas. Et peut-être que je le saurai. Alors, je dois aller voir l'autre con pour lui filer le livre. Ah, putain, il m'emmerde. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. Oh, ta gueule, j'ai ton livre, connard. Est-ce que je peux aider les affaires de l'académie ? Je cherche des renseignements sur quelque chose que... Ta gueule, je suis en train de lire, bordel ! Nous avons trouvé à Sartal. J'ai trouvé... D'autres des travaux de Chalidor. Parfait. Je commence sa traduction. Je ne devrais pas en avoir pour plus d'un jour ou deux. Oh. Super. Ok, est-ce que je peux aider ? Je cherche un renseignement. Non ? Votre traduction de Chalidor, qu'est-ce où à vendre ? Vous travaillez sérieux ? Hein ? Je suis à la recherche de parchemin des anciens. Je viens tout juste de l'avoir. Je ne peux pas aller plus vite. Mais moi, je veux bien que tu me dises d'autres livres à les récupérer. Bon, je peux aider les affaires de l'académie. Si vous avez envie d'aventure... Oui, je veux d'aventure. J'ai toujours besoin de livres de valeur disséminés... Eh ben, je veux... Donne. Dangereux. Oui. Moi, j'aime les drogueurs. Enfin, j'aime tuer les drogueurs, les falmeurs et autres trucs qui se terminent en heure. S'il y a le moindre danger, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne demande qu'à partir à l'aventure. Bon, très bien. Tenez. J'ai écrit le dernier endroit dont j'ai entendu parler. Jetez-y un œil, mais restez sur vos gardes. Absolument. Des elfes sauvages, un exemplaire de ce livre des elfes. Carte mise à jour. Ah bah voilà, mon ami. À la prochaine fois. Eh oui. Tu vas m'adorer. L'expérience de Gézargo. Oui, non, c'est l'autre con. Les livres perdus, adressez-vous à mes couilles. Donc, divers. Trouvez un exemplaire de ce livre des elfes sauvages. Et purifier mes couilles. Voilà. Ok, bon, bah c'est parti. Allez, tu viens ailleurs. On va s'amuser. Wouh, tu vois, c'est génial. C'est très excitant. Parcours. Alors, où est-ce que je dois me rendre cette fois-ci? Oh putain, 2h36. Je suis même pas sûr que... attendez, je vais juste faire un petit truc. Faire un retour Windows. Faut que je vérifie un truc. T'es bien gentil. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai créé un monstre. C'est bon, vous me voyez? Bon, ça va. Ah, une petite chute de spectateur. De spectateur, une petite chute de FPS. Ouais, ça va. Je peux encore continuer un petit peu. Elle est où ma... Ah, elle est là, la souris. Bonjour. Alors. On retourne de ce côté. Écran secondaire. Activé. Oula, pourquoi ça fait ça? Attends. Ah! Ah, attends, je voulais voir un truc. Ah non! Ah putain, à l'espace d'un instant, il y a Streamlabs, il m'a marqué que il répondait plus, ce con. Je voulais juste voir utilisateur dans le chat. Allez. Ah, il a du mal, hein. Alors, putain, mais ça met 4 utilisateurs. Mais un spectateur. J'y comprends rien, moi, votre truc, là. Comment vous appelez ça, Twitch? Ah merde, j'ai pas mis le chat. Oh, je vais y arriver les enfants. Je commence à me familiariser un petit peu avec ça, mais j'ai encore quelques doutes. Bah on retourne au jeu. Hein. Normalement, vous avez le jeu, si c'est pas beau ça. Du coup, fort divers, ok. Et moi, je dois me rendre... Putain, mais il y a des trucs ici, on voit pas très bien, mais... Et moi, je dois me rendre à... Et... Ah putain, en plus il y a des...
Il y a ces saletés de... Comment ça s'appelle? Ces saletés de géants et de... Mammouth. Voilà, c'est ça. Oh putain, c'est un coup, il va avoir encore un dragon que je vais devoir encore tuer et récupérer encore des os de dragon et des écailles de dragon et les accumuler. Et en plus, je fais des rimes. Je fais de meilleures rimes que certains rappeurs. Alors, il y a le dragon ou pas? Ah putain, il est là, ce con. Après, on peut l'éviter, hein. C'est par où que je dois aller? En fait, c'est exactement là-bas que je dois aller. Ah, c'est génial. Ah, j'adore ce jeu. Allez, dragon. Allez, qu'on en finisse. Voilà, allez. Putain. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, allez. Et... Ah! Hein, j'ai jamais pris celui-là? Laisse Raya tranquille. Tête de chibron, tu es faible et moche. Allez. Tu vas goûter de ma hache d'ébonite. Eh merde, putain. Bah en fait, je n'ai pas pris le truc de drague. Le... Ah, le mot de puissance. Et je crois qu'il y a un ennemi super puissant aussi là-bas. Allez, allez, viens là. Allez, voilà. D'accord, allez, allez, d'accord. Allez. Ah ouais, d'accord. Oui, oh merde. Hein. Putain, c'est encore elle qui l'a buté. Tu m'emmerdes à me prendre tout. Attends, parce que là, il y a... Je sais pas si ça... Il y a un truc qui va apparaître, là, normalement. Attends, fais voir. On récupère ça, fils ça. Oh, putain. Viens là, Raya. Vite. J'ai des choses à te donner. Oui, mon Tan. Bien sûr, Tan. Que puis-je faire pour vous? Yeah. Pélo. Voilà. Allez, maintenant. Et là, il n'y a pas... Et sinon... Il est où? Il est où, c'est lequel? Il est où, c'est... C'est quoi? C'est quoi ce fucking bordel? Pourquoi je peux pas récupérer? Il est où? Oh putain, c'est encore un de ces bugs. Est-ce que je peux faire un truc? Fais voir. Je sais pas. Peut-être que ça va débloquer le truc. Et surtout, il récupère pas l'âme. Ah, le coffre, au moins j'ai ça. Je te jure. C'est de la merde, c'est de la merde. Bon, bah écoute. Et là, c'est pas un ennemi qui doit sortir, tu sais, avec les... Bon, je sais plus. Bon, allez, ciao, tu m'as saoulé, toi. Ah, mais en fait, j'étais même pas obligé de le buter, ce con. C'est
C'est quoi ça? Ah, ok. Bon, bah, l'âme de dragon, tu viens quand tu veux, hein. Attends. Attends. Comment il s'appelait cet endroit? Cisaille. Ok. Merde, comment c'est? Ah oui, la console. 7. Ok. Alors, normalement, bug de la cisaille. Sky Ahrim. Eh bien, voilà. Bug écrit cisaille. Ouais, voilà. Tous, j'ai un problème suite. Je suis à cisaille, un peu à l'ouest, Alphaïez. L'icône de tête de dragon. Hein? Quoi? À l'est de Faïez? Comment ça? Je suis pas à l'est de Faïez, pas du tout. À l'ouest de Faïez, je veux dire. Ouais, c'est quoi ce bordel? Changer une partie, refaire le chemin, j'ai même... J'ai buté un autre dragon sur la route et une fois à Cisaille, ben la même chose après. J'étais déjà allé à cet endroit. Sans rêver. Ah, et sans prendre le cri. Tu es sûr de ne pas avoir récupéré les trois cris de télékinésie? Pour être sûr, regarde dans tes cris si tu ne les as pas déjà. Les trois cris de télékinésie. Fais voir. Bah si, je les ai. D'accord. Bon. Bah écoutez, j'en sais rien. Un bug de plus. Que peut-être un jour je résolverai. Donc du coup, on va aller chercher le... On va aller chercher le bouquin qu'il m'a demandé, l'autre con là. Et je parie que c'est les mammouths qui l'ont là. Ah, je suis proche là. Il me semble que je suis très proche. Faudrait que j'aille à un endroit où ils peuvent pas m'atteindre. Voilà. Comme ici, par exemple. C'est très bien, là. Ah, si, ils pourraient peut-être m'atteindre. Arc d'ébonite. Et je cherche même pas à comprendre. Je les bute sans une once d'hésitation, ces connards. Parce que... Ah, bah, ils sont là. Il y a des géants, sinon. Par contre, tu te mets pas devant moi, Lydia. T'es gentil. Est-ce que je taperai pas le géant, d'abord? Allez, le mammouth, allez, je t'emmerde, de toute façon. De toute façon, il me voit pas, c'est qu'un con. Bon, putain. Ah, ouais, l'IA est fantastique. Bien foutu, l'IA. Là, franchement, Bethesda, bravo. Hein. Dans la trompe. Et allez. Crevez. Maintenant, le géant. Tête de chibre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à faire?
Voilà, t'es gentil. Et bah, crève, salopard. Péta. Oh non, mais. Oh, tu m'emmerdes, hein. Tu m'emmerdes, Raya. À chaque fois, je veux en buter un. Hein. Bah, tu le butes. Voilà. Celui-ci, tu l'as mérité. Un petit test PCR, là, voilà. Parcours. Bon, il y a d'autres géants ou pas? Il n'y en a pas d'autres? Oh. Défense de Horker. Ok. Ça, je prends. Mammouth de mes couilles, ça, je prends. Ça, on s'en fout. Ah, du fromage de mammouth, là. Fais voir, est-ce que ça... Qu'est-ce que ça donne comme nourriture? Alors, restaure 10 points de santé, restaure 15 points de vigueur. Bah, franchement, ça me... Plus moi qui suis intolérant au lactose. Enfin, en même temps, je sais même pas s'il y a du lactose. De la lactose, du Oda. Alors, c'est où? C'est là-dedans, ton truc, là? Putain. Il est dans un vieil endroit, comme ça? Y'a pas un coffre plus grand que cette merde, là? Non, tu vas pas me faire croire que j'ai fait tout ça pour ça. T'es bien gentil. Tu m'emmerdes pas et tu me donnes un peu plus de choses, non? Bon. Bah écoute. Ok. Ok. Donc du coup, ça, c'est accompli. Mais il y a un bug qui fait qu'on entend toujours la musique et blablabla et blablabla. Et tu... Hein, des ennemis à proximité. Bah dis-moi où il est, l'ennemi. Ah oui, effectivement. Un troll. Oh, il est mignon. Il est tout mignon. Voilà. Allez, tu le fais valdinguer. Le temps qu'il se relève, tu lui mets quelques flèches dans le buffet. Voilà. Et allez, on n'en parle plus. On va voir ce qu'il a sur lui. De la merde. Et là, on peut se téléporter maintenant. Voilà. Oh là là, 2h50. Allez. Faire toujours le même chemin. Quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est bon là, tu m'as saoulé là. Je vais vite rentrer là-dedans. Ouais, bah moi non plus. Allez, ciao. Au pire, on rentre tous dedans et au bout d'un mois, il va s'en aller le dragon quoi. Il y a toujours la musique. Oh là là. Le dragon, oh là. Bon, j'ai ton bouquin de merde là. Tête de chibon. Il a fallu des centaines d'années pour... On dirait que vous êtes en un seul morceau. Et surtout... Le livre est là. Eh oui, mon grand. Merci. Allez, donne-moi des trucs là. Des élèves de supprimer 30. Bon, bon, je cherche à renseignement sur votre sur le jardin. Prenez votre travail sérieux. Je suis à la recherche. Je cherche à renseignement. Ah, il a plus de livres à me donner. Bon. Enfin, bref. Ah, Raya. Si vous avez besoin d'un livre, dites-le moi. Sinon. Même alors, si c'est vous qui l'avez écrit, et ben voilà. Il y a d'autres livres à récupérer et à mettre en lieu sûr à l'Arcanéum. Très bien. J'ai noté le dernier endroit dont j'ai entendu parler. N'allez pas vous faire tuer. On va essayer. Trop de balles. Le dernier roi des Aelini. Ok. Battez-vous bien. Oui. Oh, on va se battre. Alors, fais voir. Hop. Vérifiez les points découverts. Eh, mine de rien, regarde tout ce que j'ai fait, là. Regarde-moi ça, là. Eh. Ça en fait un paquet, quand même, hein.
Mais en fait, j'ai l'impression que j'en suis limite qu'au début du jeu. Hein. Bon. Paf. F5. On a une belle vue d'ici. Les nouveaux lits. Ah, oh, fermez vos gueules, putain. Ouais, on est jeunes et branchés. Ça fait la fête dehors. 105 heures de jeu, bah, bon Dieu. Eh bien, on va quitter vers le bureau. Et oui. Putain, ça fait la fiesta dehors. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Voilà, allez. On va se mettre en intermission. Overlay! Eh bien, c'était génial, hein? Voilà, on va se quitter comme ça. Putain, il y a un bordel ici. Il faudrait que je fasse un peu le ménage. J'espère que ce live vous aura plu tout autant que moi, que je l'ai fait. Vous avez compris le principe. N'hésitez pas à me follow de part et d'autre d'Internet sous le pseudonyme de Marvin Schrödinger. Ça s'écrit comme ça, s'appelle. Vous connaissez la musique. Vous avez cette chaîne Twitch. Donc, followez-moi. Ça fait toujours plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vous avez mes chaînes YouTube, ma chaîne principale qui n'est pas du gaming ou quoi que ce soit, qui s'appelle Marvin Schrödinger, ma chaîne secondaire qui s'appelle Bazar à Marvin et VOD Twitch. Et vous avez mes réseaux sociaux en lien sous mes vidéos Twitch, mes vidéos YouTube. Vous avez Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Sous le pseudonyme de Marvin Schrödinger. Vous connaissez la musique. Ça fait deux fois que je dis vous connaissez la musique. Il va falloir que je me calme un petit peu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, plein de bonnes choses, une excellente vie. Croyez en vos rêves. Do it. Comme un grand philosophe a dit, do it. Just do it. Make your dream come true. Et ce grand philosophe n'est ni plus ni moins que Shia LaBeouf. Et moi, j'ai suivi ses conseils. Enfin, je suis en train de les suivre, là. Voilà. Make your dream come true. C'est par là, je le fais. Voilà. Allez. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée. Et à la prochaine. Thank you.